Hop, 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 attendez, attendez. Juste avant de commencer, un petit message. Voilà. Quand on a fait le stream donc, de Cooking Games, le premier avec Titours, Twitch, lors de l'enregistrement, a coupé le début du son, les deux premières minutes du stream, puisqu'on avait utilisé des musiques pas libres de droit pendant le petit délai d'attente avant le stream. Donc, vous n'allez pas avoir les deux premières minutes, là où on dit coucou tout le monde, salut, ça va, vous allez bien, machin, on fait de la merde. Enfin, je déconne. Bref, voilà. Vous allez aussi peut-être vous dire que le son, il n'est pas ouf, c'est normal. Voilà, c'est le premier stream. On testait des choses. Pour ma part, ça va. Pour un stream système des cuisines, il est correct. Mais c'est vrai que ce n'est pas un son de malade mental. J'espère que vous passerez un bon moment. Je vous fais des bisous. Puis bah, au prochain stream qui va très certainement se tenir au mois de mars. Tchuss! Là, pour le coup, Il va bosser pour une fois. je vais travailler, je vais couper, je vais des petits tours ça de couper. Donc. Voilà, si vous voulez. Ah mais je ne fais rien, c'est toi qui te démerdes, hein, tu fais tout. Ouais, voilà. Ah non, là par contre c'est pas possible. Il y a un prank. Ça va mieux le son ou pas? Oui, monsieur. Oui. Je suis votre voisine. Oui. Je voulais juste venir vous présenter. Alors, c'est adorable ce que vous faites. C'est la voisine. Un live en fait, je vais vous faire une cuisine. Vous êtes adorable, merci. Je viendrai vous voir, moi, à ce moment-là. Avec plaisir, c'est très gentil, madame, mais vous êtes adorable, mais enfin, faut pas, c'est. Je pense que la voisine peut veut pécho. Vous êtes, exact. Vous êtes... Alors, Duranguier, non, faut pas qu'il se blesse, parce que s'il se blesse, il tombe par terre. Alors, et je suis obligé de finir tout seul. Qu'est-ce que c'est? Écoutez, regardez ce qu'on vient de recevoir. Alors, ma chérie, oui, parce que la girafe est avec nous, évidemment, elle est là. Tu veux faire. Monte ta main pour que les gens sachent que t'es là. Monte juste ta main. La caméra, elle est là. Monte ta main, n'aie pas peur. Voilà, hop, elle est là, regardez. Ah, elle est là, la girafe. Voilà, ma chérie, tu viens de recevoir ce bouquet de fleurs de notre voisine pour s'excuser des travaux pendant 2 mois. Elle t'offre ce bouquet de fleurs. Vache, comment elle est polie. Qui fait ça aujourd'hui? Qui fait ça? Voilà, voilà. Donc, bah, tiens, ma chérie. En plus, ça te sent super bon. Oui. Oh, en plus, c'est mon style, j'aime bien. Donne. Allez, donne. Fake, c'est un petit ours. Non, mais c'est ouf. Mais elle est trop gentille. Voilà, donc c'est super gentil. Bah merci. Je ne sais pas si vous m'entendez, voisine, merci. Voilà. Bon, bref. Voilà, voilà, mes loulous. Alors, je sais, le son, il n'est pas génial, mes petits choux. Mais c'est comme ça, on n'y peut pas grand-chose. Et vous allez voir, quand on va commencer à cuisiner, oui, cuisiner ça va faire du bruit. Ça va faire beaucoup de bruit. Je peux booster si vous voulez, mais c'est vraiment pas. Je sais, le son n'est pas clean comme d'habitude dans les streams, mais c'est normal. J'ai un micro, juste un micro. Peut-être que si ce concept vous plaît, on utilisera des micro-cravates en mode. Ouais, comme ça. Bref. Voilà. Donc le stream, voilà. Le concept, c'est ça. On est sur le setup. Bref, ça marche, mon cher Poulpito. Je fais des bisous. Et je m'excuse d'avance à tous ceux que je ne lirai pas ce soir. C'est pas contre vous, c'est pas parce que j'ai pas envie de vous lire, c'est juste que voilà, il y a plein de choses à lire. Salut oui, Pépé. Il y a un Titours. Ah oui, donc il y a peut-être des gens de Titours qui vont venir, donc Titours, voilà. C'est moi. Bonsoir le péremptoire. Voilà, Pépé. Titours est là, voilà. Titours. Ta gueule. Le créateur de 53 podcasts. Ok, d'accord. Bah, salutations à toi, mon cher le péremptoire, Pépé. Ok, mon cher Titours, on commence? Bah oui. Allez, donc ce soir, comme vous le savez, donc ce soir nous faisons des boulettes de cervelle panées, du ketchup maison. Et de la pomme et des pommes de terre sautées. On commence par quoi, mon cher Vitours? Parce que moi, je suis le commis, hein. Le ketchup. Le ketchup. Allez, c'est parti. Vas-y, fais bon, bah une planche à découper déjà. Une planche à découper. S'il te plaît. C'est comme chez toi. Bah, je vais faire la droite. Là, ce que tu veux. Ah bah c'est toi qui tu te démerdes après. C'est toi qui découpes les oignons et tout. Hein. C'est moi qui vais bosser. Bien sûr que oui. Enfin, je te surveille pendant que tu bosses. C'est super sympa, merci. Ok. C'est pour que ta femme te voit cuisiner au moins une fois dans ta vie. Très sympa, très drôle. Donnez-moi cette base. Attendez, il y a ma girafe qui me demande un vase en même temps. Ce stream, c'est total impro, quoi. Tu veux un vase? Ah si, si, c'est lui. C'est lui qui va cuisiner, hein, t'inquiète pas. Ah. Titour, c'est le chef. Moi, je suis le commis. Voilà. Donc, moi, je lui tape dessus, je l'engueule, et c'est lui qui cuisine. Évidemment, évidemment, on vous accompagne, on vous invite à nous accompagner avec un très bon vin blanc. Voilà, hein, mon cher Titour, vin oui. blanc que tu nous as sélectionné. Exactement. De ma cave. Ok, on coupe quoi, mon chouchou? Bah, un oignon, déjà, pour commencer. Ok, donc trop gros couteau déjà pour un oignon. Donc, on peut commencer à sortir une poêle et à faire chauffer un peu. Vous n'avez rien vu! Tout va bien!
Ça n'a pas encore commencé, il a déjà découpé la masse. Ça va, tout va bien. Okay. Déjà, pour vous, alors une casserole, une cocotte pour faire chauffer déjà en attendant qu'on mette après. Cocotte, tiens, tu ouvres la grande là, voilà. Là, tout en bas. Prends la noire en dessous des chinois. C'est vrai, j'ai des chinois au-dessus de ma casserole noire, voilà. Bon, hein. Je vais me cacher. Bravo. Je témoigne, Pexa fait des bonnes pâtes au pesto. Merci, Sophie. Mais il faut pas que je tâche mon nouveau pull, c'est vrai. Voilà. Tu veux peut-être mettre de l'eau dedans. Il est là. Il y a le Totoro aussi. Alors, je suis en train d'éplucher l'oignon. Là, j'enlève les peaux. Alors, moi, le problème, c'est que je sais jamais combien de peaux faut enlever à l'oignon. Ça, là. Ça sera déjà pas mal. Et c'est tout? Oui. J'ai enlevé un morceau un peu plus gros là. Ce n'est pas nécessaire. Ouais, je sais. Garde ton pouce aussi. Tu peux démarrer à faire chauffer le. Oui, ça va, tu vas bosser un peu. Ouais. Je vais pas bosser. Comment ça marche ton bordel là, moi de l'induction. Moi, je connais pas le ça. Le mec, il marche encore. On est chez toi. Quoi, chez lui. Et. Alors, respecte ton chef. Ok. Alors, de l'eau. Pourquoi faire? Tu veux mettre de l'eau? Non, c'est juste pour faire chauffer. On va faire l'oignon dedans. Il faut juste que ça soit un peu chaud pour mettre dedans. Ah, ok. Bah, c'est pour préchauffer. C'est tactile ici. On est à la technologie. La tristitude. Ça serait même du Didi. Je mets à combien? Pas trop chaud non plus. C'est juste pour faire. Bon, t'as 9 trucs là. Ils font ça super vite. T'annonce qu'il a la gastro. Le coup, comment l'oignon? En petite tranche. En petite tranche? Oui. Enfin, tu peux le découper en deux et après tu le fais. Voilà. En plus, je tremble, donc c'est à dire que d'habitude je coupe pas trop mal, vous demandez à ma femme, mais là je tremble donc c'est chaud. Je vais me couper un peu plus fin, s'il te plaît. Bah, je vais recouper derrière, je vais faire des. Non, mais tu peux faire juste des petites rondelles, hein. T'es pas obligé de faire des petits morceaux parce qu'après on le passe au mixeur. Hein, donc, ah bon, bah, on s'en fout alors, oui, oui, enfin, il y a un minimum à faire quand même. En voilà des gros beats. Beats. Ce soir, on va manger ça. Je sais pas si vous voyez bien le découpage ou le massacre, au choix. Ah, ça va, hein. Pas chier. Non, pas encore, t'inquiète pas. L'huile d'olive, elle est par où? L'huile d'olive, elle est là, regarde. Le truc, le tiroir des épices, dans les tout. C'est comme ça dans toutes les cuisines modernes, tu sais. Je ne connais pas ça. Pas comme chez toi. Évidemment. Oui, sauf que moi, au moins, j'ai une petite cuisine, mais je cuisine. Voilà. Voilà. Tu ne te coupes pas des doigts, couper des oignons. C'est génial. Qu'est-ce qu'il dit sur le chat, mon cher Taolen, tu dis que tu lui fais peur avec le couteau. Oui, bah ça oui, ça je comprends, mais moi-même je me fais peur. Mais là on voit qu'il s'applique, là on sent une certaine, il fait attention. Là, ça tu peux l'enlever éventuellement, je sais pas forcément. Très bien. Ça là? Oui. Tu veux pas m'aider un peu pour qu'on aille plus vite, non? Il n'y a pas la place là, je te laisse faire, moi je m'occupe du feu. Mec, branleur quoi, il s'est dit je vais venir ici, je vais glander tranquille, c'est abusé quoi. Bah t'as dit que t'étais le comique, j'étais la recette chef. Pour qu'on la fasse aussi en direct, en suivant vos ordres. Alors Barbie, c'est une très bonne idée. Alors pendant cette soirée, Milou, je vous invite sincèrement à nous donner des idées et à me les mettre sur le Discord en MP ou sur le Taverne ou dans le clip, comme vous voulez sur le Discord, toutes les idées pour qu'on puisse, toutes les idées qui vous seraient, qui vous viendraient à l'esprit pour qu'on améliore ça. Là c'est vraiment le premier épisode. Donc voilà, on n'est pas en mode parfait, je le sais bien. Hein. Alors après, ça va passer tout au mixeur hein, pour faire le truc, donc vous inquiétez pas. Tu vois, une recette 4 heures, non, ça devrait aller moins normalement. Alors on a prévu un stream de 2h, 2h30 à peu près. Enfin, il a prévu. Voilà, donc j'aimerais bien qu'on finisse vers 20h30, mais après, je vous avoue que je sais pas. C'est la première fois que je fais un stream de cuisine. Drolix m'a dit que c'était beaucoup plus long. Voilà. Bon après, si on attend qu'il découpe tout comme ça, forcément, ça va prendre 4 fois. Ok, bah, tu sais quoi, après tu vas découper, comme ça je vais voir. Moi je vais voir, non mais attends, mais moi je vais voir un peu tes skills aussi. Parce que tout le monde dit, Tito, tu cuisines bien, machin, bah, je vais voir, vas-y, comment tu coupes. Genre, t'as pas déjà goûté? Bah, j'ai déjà goûté. La cuisine, voilà. Ouais. Bah, j'ai goûté une tarte myrtille pas cuite. Voilà. Tu te calmes. Ah vas-y, tiens, vas-y, c'est le dernier morceau, j'ai envie de chialer. Je vais lire un peu de chat. Fais gaffe, il coupe pas le couteau. Non mais il coupe pas celui-là, prends le gros. Bon je reviens un peu parce que moi je suis pas très bon au coupage.
Ça taille dans tout. Mon doigt sur. Ouais, Sévi, garde ton doigt sur le 18, on sait jamais. Par contre, je rigole si c'est Titour. Enfin, je rigole, non, je vais pas rigoler. Sachez que si je me coupe le doigt ce soir ou que Titour se coupe le doigt, je tombe dans les pommes. C'est quasiment automatique, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, c'est normal. Pas de soucis, pas de panique, hein, mais voilà, je serai très très mal. Voilà. 2,7, 4 heures, c'est moins dire qu'au début, il visait 2 heures de stream. La plaque est beaucoup trop chaude là, ça va cramer là, non? Bah je sais pas. Vas-y, faut se dépêcher. Bah non, ça va là. Ça va? C'est pas trop. Ok, bah... Ah oui, donc moi je me casse du gars à faire ça, toi tu te dis bah non. Bah je t'ai dit de faire des rondelles, toi tu t'amuses à tout émincer. Je t'ai dit, ça passe au mixeur après. Allez, donc... Donc première étape de la recette, couper des oignons. Un oignon rouge, c'est important. On peut faire l'ail. Eh ben je t'en prie, vas-y fais l'ail du coup. J'adore ma fin. Ah oui mais attends, t'as mis sur la seule truc que les gens voient pas. C'est bien. Écoute. T'es intelligent. T'as mis à combien? 7. Bah j'allais baisser après. Tu veux que ça quoi? Tu veux que ça grille? Ah non, faut pas les griller justement, faut juste les faire un peu suer. Donc ils deviennent un peu transparents. Suer? Je sais pas ce que ça veut dire suer. Et merci Rasta pour ton follow, c'est très gentil à toi, je te fais des gros bisous. Bienvenue dans la Hexa Family. J'espère que tu passeras de bons moments. C'est très gentil à vous. Merci. J'espère que ce concept va vous plaire. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. C'est le principal, évidemment. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais envie de tester un autre truc. Ah oui, ce qu'il faut préciser, c'est que on n'a jamais fait cette recette avant et qu'on a. Oui. Et qu'on ne s'est pas entraîné non plus. Voilà. Évidemment. Oh la vache. Oh les yeux. Sachant que le fail fait partie intégrante des lives d'Exa, on s'est dit voilà. Essayons. Que dans tous les cas, ça risque de défoirer, que je risque de déconner et que je risque de qu'on risque de pas réussir la recette. Donc dans tous les cas, ça risque d'être sympa. Voilà. Enfin, c'est pour ça que j'ai pris quand même des recettes assez simples. Toi, il est 18h30 déjà, mon cher Titour. On a coupé un oignon. Et alors? Putain, mais je veux dire, voilà, le stream il va durer jusqu'à 23h. Je te rappelle que ma femme, si elle mange pas à partir d'une certaine heure, c'est comme les Gremlins. Hein. C'est comme un Mogwai, elle devient tarée. Oui, mais avec quoi? Ouais, 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 on va nous tuer quand même. Voilà. Moi, je l'amadoue avec du vin et des kunyaman de Cyril Lignac. Je fais. Enfin, tu peux le laisser tranquillou, hein, ça peut... Vous savez quoi? Je vais me resservir du vin blanc parce que j'en ai besoin. Voilà, là, il s'est fait. Hein. Il suffit de le découper en deux et vous balancer dedans. Hein. Ça va se garder. Alors ce que vous ne voyez pas, je vais vous le montrer rapidement, mais loulou, c'est tout le bordel qu'il y a sur la cuisine, la table pour le... Alors, ce qu'il appelle bordel, ça s'appelle des ingrédients. Oui, c'est les ingrédients, bah, c'est pas le bordel, c'est les ingrédients. Oui, on a une caméra qui tourne, regardez, je peux faire... Oh, bonsoir, bienvenue, c'est mon salon. Ça va? Bien, hop, je vous accompagne, allez, on va dans la partie cuisine. C'est bon, ma chérie, personne ne te voit, t'inquiète pas. Bah, il y a un miroir derrière. Mais le miroir, on ne le voit pas, ma chérie. Ah si, on voit le miroir. Oui, mais on est devant. Donc t'inquiète pas, tout va bien. Je te camoufle. On te cache. T'as le droit de venir faire un coucou, hein. Les gens ne sont pas méchants, ils vont pas te mordre. Hein. Alors il faudrait la balance aussi. Tu peux venir faire un coucou. Non, ils vont pas te mordre. T'inquiète pas. Ils vont être très contents de te voir. Voilà les prises. Alors l'assaisonnement après. Deux blocs de kunyaman. Oh, t'as de la chance, Sophie, GG. Pourquoi? Il faut aussi préciser qu'exact. Girafe, on t'a déjà. Oui, alors Barbuma précise qu'ils t'ont déjà tous vu bourré quand tu jouais à Lost Ark. Ah, elle vient de se barrer. Oublie. Voilà, elle a dit oublie. Je vais chercher la pesée. La pesée. Je ne suis pas loin, vous inquiétez pas. En train de voir ce qu'il a comme épice. Mais non, c'est vite, t'inquiète pas, il va bien. Et tout ça, par contre, tu ne casses pas cette... On fait attention parce que c'est pour mon travail, ça. D'accord. Non, mais c'est celle de mon travail, donc voilà. Les gens PLS. Au contraire, les gens viennent sur le stream d'Exap dans l'espoir de voir la girafe du roguet. Alors, par contre, mes loulous, hein, tu veux... Ah, mais c'est vite. Moi, mais non, mais de toute façon, si le concept il marche, je vous le dis, on invitera avec Titours des gens et on fera d'autres recettes ensemble. L'objectif, c'est de faire un truc sur la durée. Voilà. Si ça vous plaît, évidemment. Si ça vous plaît à personne, bah, tant pis. Autre chose. Alors, par contre, ouais, mais, coucou de Rubik, ça fait plaisir de te voir. Par contre, mes loulous, évidemment, je vous invite quand vous voulez que je lise
plus vos messages, vous faites @xdexa ou xdexa, comme ça je le vois dans le chat en blanc ou en rouge. Comme ça, je vois plus facilement vos messages, parce que je le vois un peu de loin, le chat, etc. Alors, pourquoi une balance Sunel, sponsorisée. Vas-y, Sunel, si tu veux nous sponsoriser, fais-toi plaisir. Vas-y, petit ours. Je te passe quoi? Rien pour le moment, là, on va commencer à saisonner un petit peu. Donc, t'as qu'à sentir ce qui te plaît. Enfin, après, tu connais plus ou moins. Alors, l'ail. Oh, c'est l'ail de petit ours. L'ail des ours. Sponsorisez-nous. Nous sommes ouverts aux sponsorisations. Ah, ça sent bon, ça. Oui. Normalement, faut mettre du 4 épices, mais bon. Ah, petit tour, ça a ramené la moitié de sa cuisine. Non, la totalité de sa cuisine. Ouais, bon, ça, c'est du poivre, quoi. Oui. Dans sa, de chez lui, ici. Mais ça, je vais l'ouvrir, ça, c'est pas ouvert. Ah, non, c'est déjà ouvert. Ouais, je vois ton message, chérie. Ah, c'est pas mal, ça. Donc ça, on peut en mettre un peu, si tu veux. Ah, ça, c'est bon, ça. C'est quoi, oui. C'est du sel à la truffe, ou quoi? Oui. Oh, eh, j'avais même pas lu. Ah, bah, voilà. J'ai un nez. Dommage que tu t'en serves pas. Dans la cuisine. D'où mon verre? J'avais un verre avant. Il est là. Oui, j'ai ce sel qui est vachement bien. Bah écoute, on peut l'utiliser. Il vient où ce sel, ma chérie, déjà? Monoprix. Le sel de Monoprix. Monoprix, un pays d'Asie du Sud-Est. J'allais dire un truc, genre, je l'ai acheté de loin, ce truc-là, il est vachement bien. Ma femme me fait, non, il vient de Monoprix. Ok, c'est pas grave. On peut mettre des deux, hein, de toute façon. Hein. Vas-y, tu peux assaisonner un petit peu, hein. Vas-y, fais-toi plaisir. Ah non, mais je suis une brêle en assaisonnement. Si tu veux que ça soit de la merde, j'assaisonne pas. Bah, tu prends ton truc, tu fais 2-3 tours au-dessus, et puis voilà, quoi. Le mec, il croit que j'ai cuisiné, quoi. Il est fou. Là, c'est quoi, c'est... C'est sel et poivre. Sel et poivre. Ouais, il est très bien. Et t'as un peu de piment aussi dedans, c'est très sympa. D'accord. Ah oui, on voulait mettre du piment coréen. Ah oui, vas-y, piment coréen, c'est parti, let's go. Alors j'espère que tous ceux qui sont là, vous allez bien. Merci d'être avec nous, ça fait très plaisir. C'est un stream dans le sens important, nouveau concept, donc ça me fait plaisir. C'est important pour moi et pour Titours que vous soyez là que vous soyez avec nous. J'espère que le setup vous plaît, les caméras, les machins, etc. Je sais que le son n'est pas génial, on fait avec pour l'instant. Principal, si vous nous entendez. Au piment, on va pas mettre trop, hein, si toi, tu pas te décéder. Enfin, surtout moi, ma personne. Drawix, j'aime beaucoup la façon dont les chefs ont revisité l'image de la toque. C'est audacieux et moderne. Merci. Batman, je sais pas comment je m'appelle. Ma chérie, c'est qui ce personnage-là en Corée? De quoi? Il y a un nom ou pas? Non, je connais. Voilà. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Tu n'existes pas, personnage. J'espère que tu vas bien, mon cher Arox. Des bisous. Sébastien, coucou. Moko, coucou. Tous ceux que je dis pas bonsoir, je m'excuse. C'est pas que je veux pas, c'est que je suis bonsoir. Un petit peu concentré dans la cuisine. Du cam, je vais bien. Oui, Exa, fais très bien le riz. Ouais, je fais très bien le riz. Merci, Sophie. Mais c'est pas trop cher. Là, Sophie, tu me soutiens un petit peu, hein, ça fait plaisir. Coucou, Silica. Un petit peu aussi. Ouais, et ça, par contre, ça, c'est un truc de fou. Je vous jure que quand vous le mettez dans votre nez. Bon, ça sent plus la truffe que le sel d'ailleurs. Ça sent bien, bien, bien la truffe. C'est vraiment un truc de fou, ça. C'est donné par un de mes collègues. Il n'avait pas l'utilisé. Ça, c'est un truc de malade, ça. C'est du Olivier & Co. Voilà, nous sommes ouverts au. Alors, normalement, si j'avais eu le temps de tout faire, nous aurions eu un jingle. C'est quoi déjà? Jingle. Placement de produits. Parce qu'on va placer plein de produits et nous sommes ouverts au. Sponsoring, ça vache. Je suis pas bourré. Hein. Voilà. Allez, il y a bu même pas la moitié d'un verre. Ou un. Bon voilà, vous là, c'est pas grave. Donc après, qu'est-ce qu'on va mettre? Bien, pèse 20 grammes de cassonade, s'il te plaît. Ok, il a foutu des trucs partout, tout va bien. Voilà, le fail, fallait bien qu'il arrive. Au bout de je ne sais pas combien de temps de live, à peu près 30 minutes, voilà, ça c'est fait. J'ai renversé du sel, En plus, c'est du sel qui est doré là, une fortune. Pardon, j'ai renversé un peu de sel. Putain. Bah Tolan, vu que je vais aussi manger après, je me dis c'est aussi bien si je peux cuisiner. Alors, un petit peu. Je te mets ça là-dedans. Ça quoi? Non, ça je vais me faire un peu, on fait à la louche. On met 5 centilitres, donc de vinaigre de vin blanc, de Bourgogne. Merci papy. Histoire d'avoir un acide. Tu veux que je fasse quoi, mon joujou? Et là, bah, comme je t'ai dit, tu me fais 20 grammes de cassonade. Ok. Ça, je sais faire. Ça, je sais faire. Alors, vu qu'on n'a pas de cassonade, on va utiliser... là, c'est du... Je sais plus lequel, enfin...
de la panela. Vachement bien. Donc hein. C'est du sucre roux non raffiné. Donc c'est alors, bien aussi. Il faut d'abord poser le truc et après faire tard. Comme ça, ça prend pas le poids. Quand ça marche. Le mec il galère pour peser 20 grammes. Ça se voit qu'il l'utilise jamais pour cuisiner. Non, je l'utilise pas pour cuisiner. Tu sais pourquoi je l'utilise ? Devine. Pour peser, devinez. Pour peser de la drogue. Non. Même pas. Pourquoi j'utilise, à votre avis, ça ? Cherchez chez vous. Putain, ça marche une fois sur 10, ce truc-là, c'est le problème. Alors, on ne sait pas encore. Mais marche tard, tard toi-même. On va mettre un peu de gingembre aussi, hein, histoire de relever un peu plus. Parce qu'on est des fous. Attends, le tard il fonctionne pas. Bon, c'est pas grave, ça fait 124. Ah si, c'est bon, ça il fonctionne. Ah, ça y est, on a le tard. Je fais un bec de merde. Alors, qui est Maïté, qui est Micheline hein? Vas-y. On a le tard, enfin. C'est pas trop tard. Ah oui, c'était vraiment nul. Oh putain. Non, pèse le truc et après tu t'en vas, s'il te plaît. Je suis sûr que Dro X va rigoler. Mais c'est énorme, 20 grammes coco. On a mis... Non, on n'a pas mis la hotte. Ah bah non, si on avait mis la hotte, vous entendez plus rien. Ah non, mais t'as vu le nombre de morceaux de sucre qu'il y a dans du ketchup? Les trucs industriels? C'est impressionnant. Donc là, il y en a pas des masses. Ok, c'est bon, j'ai 20 grammes. Vas-y, bah tu peux t'envoyer. Oui. Il a fait quelque chose, il est fier. Ouh. Ouais, c'est trop bien. En tout cas, ça sent très bon. Ouais, ça sent super. Ah, Camélia confirme, ma femme confirme, la girafe confirme que ça sent super bon. Aïe. Ça va-t-il réussir à refermer? Non, je vais fermer. Ça. Donc c'est de la panela. Mais c'est pas possible. Ça sent, c'est vrai que ça sent super bon. Moi, par contre, je suis d'accord. Donc, avec, vas-y, je te laisse choisir oui. L'unboxing. Ah. Choisis ton arme. Alors, nous avons des platissiers. Donc c'est de la tomate en conserve. Hein, voilà. Putain, t'es nul. La Valgrie. Pareil, c'est tomate en conserve. Alors, pourquoi tu nous en as ramené deux? On utilise deux ou on en utilise qu'une? Une. Sachant que là, c'est du pomodoro. C'est pomodorino. C'est-à-dire? C'est une marque. C'est une sorte de tomate. Alors, évidemment, parlons packaging. Sachant que là, c'est tomate cerise, donc elles seront plus petites, donc ça sera plus simple après pour faire... Bon, dépêche-toi, parce parlons que parlons paquet... packaging, je prends celle-là. Sinon, ça va tout caraméliser, donc dépêche-toi de le mettre dessus, s'il te plaît. Oui, papa. Parti. Ne m'appelle pas papa, appelle-moi chef. On dit oui, chef. Et moi, il était. Oh putain, le poulet. Ah non, 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 mec. Je suis désolé, c'est... Non, ta conserve, c'est de la merde. Il a réussi à péter le truc. Non, non, attends. Hey, le ça boulet. S'est... Ça s'est décollé, regarde. Je suis pas un boulet, ça s'est décollé. Oui, c'était ici, t'es un boulet. Bah arrête, baisse le truc, là, ça va caraméliser. Bon, est... hey, c'est ta conserve qui a 18 ans, c'est pas possible. T'es nul. Bon, il est où ton nouveau truc là? Il est là, c'est un truc tout pourri. Je t'ai prévenu, je t'ai dit si on doit l'utiliser, c'est la merde. Hein. Je t'ai prévenu, hein. Bon, on va peut-être utiliser l'autre alors. Non, attends, on va essayer. En plus, vous savez quoi, c'est un truc pour les droitiers, ça. Ça m'énerve. Je suis un gaucher, moi. Non, t'inquiète pas, Sylvie, ça ne crame pas, ça caramélise doucement, je fais attention. Tout va bien. Tu veux... C'est bon, j'ai réussi à l'ouvrir. J'ai réussi fais à l'ouvrir. Ça ici, s'il te plaît, non, là, parce que les gens loupent tous les fails. Non, mais j'ai réussi à l'ouvrir. J'ai réussi à l'ouvrir. Entièrement ouais. Oui, non, ça va pas être assez là. Hein. Hop. C'est bon, je mets dedans. Oui, s'il te plaît. Tout oui, c'est... oui. T'aurais dû faire de plus haut. Mais c'est... merde, putain. Voilà. Eh. Ah, il y a déjà un clip boulet. Magnifique. Moi, j'ai pas peur. Hein. Moi, j'ai pas peur. Non, non. Moi, j'ai pas de rire. Vous savez quoi, j'adore ce type de stream, c'est, ça change tellement du stream du jeu vidéo, je kiffe. Ah bah oui, tu cuisines. C'est tellement drôle. Ouais, c'est bien parti, vous inquiétez pas. Demande à ma voisine, ouais, c'est ça, c'est lui. Ne pas oublier de s'hydrater.
Alors, en fait, Barbuma, au début, je voulais mettre cuisine, effectivement, mais je me suis rendu compte, mon cher Barbuma, que cuisine, il n'y avait pas beaucoup de monde qui suivait cette catégorie-là. Et en fait, si tu veux, même si on fait de la cuisine, pour l'instant, je considère plus qu'on essaye d'échanger avec vous, vous voyez. Donc, je me suis mis plutôt dans la catégorie talk show, podcast, mais c'est vrai qu'on aurait dû se mettre dans la catégorie cuisine. Mais on s'en bat les steaks, en fait. Tu vois, j'aurais pu mettre Resident Evil 2. Voilà. Carrément. Cuisine, cuisine, oui, après. Donc là, on va laisser. Ah, c'est du manga. Avant de jeter une boîte de conserve, on nettoie l'intérieur. Ok, c'est vu, je ne savais pas, merci. J'ai obligé de rappeler ça au maniaque de la cuisine, enfin au maniaque de la vaisselle. Non, mais je ne savais pas, je sais pas. Non, mais par contre, je nettoie. Non, mais t'as raison, c'est parce que quand j'utilise une sauce toute prête, genre bolognaise, machin, je nettoie le pot en verre avant de le mettre dans la poubelle de verre. Faites ça chez vous, c'est important. Ça évite que ce soit trop dégueulasse. On recycle, évidemment. Taliban de la cuisine. Et ne pas oublier de goûter. Ah, bah, ça par contre, je suis très bon. Par contre, ça c'est vrai. Tu peux demander à la Camélia, j'ai un palais de ouf. Ça c'est vrai. Ça va, ça c'est soft pour le moment, ça c'est léger. Je prends ça très au sérieux. C'est bien. C'est bien sucré quand même. Hein, ah, bah c'est du ketchup, hein. Mais il y a une petite pointe d'acidité quand même, qui revient. C'est le but. Par contre, ça me manque un poil d'assaisonnement. Ouais. J'aurais mis peut-être sel, piment, tu vois, un truc qui relève un peu. Fais un peu plus. Ouais. On va voir ça, c'est bien. Il y aura la moutarde après avoir goûté aussi après la fin. Ah, bah alors attends, peut-être que. Bon, après les piments, ils ont l'air assez sympas. Mais... Attends, je vais le faire par contre, parce que la peau des piments, c'est. On l'a fait plutôt, moi. Ouais, voilà, bah, c'est très bien. T'as raison, fais ça. Ah bah oui, non, je n'ai pas envie de décider. Donc ça, c'est de la poudre au piment coréenne, c'est bien fort. Oula, ouais. Oh, doucement, Jacqueline. Surtout que toi, tu supportes pas le piment. Donc là, t'as... Mais non. T'as failli mettre le doigt un peu trop fort, mon cher Jean-Marc. Mais non. Justement, ça pourrait être très drôle après qu'on va goûter. Ah ben non, mais c'est toi qui vas pleurer, parce que moi, le piment, ça me dérange pas. Hein. Débarrasse un peu, là. Un peu de ménage. Ouais, je vais faire la vaisselle, t'inquiète. Je vais faire la vaisselle. Je vais me parer de mes plus beaux gants dans la vaisselle. Lave le verre à recycler ne sert à rien car de toute façon tout est passé à l'eau bouillante dans l'usine de tri de recyclage. Merci Durangui pour cette information. Mais en plus, 0x. Ah, il nous a mis une petite feuille de Laurier. Histoire parfumée un petit peu. Je suis vraiment content que vous puissiez voir au-dessus comme ça. Je vous assure que quand on a trouvé avec Titour ce setup, on s'est dit putain, c'est pas mal parce que comme ça vous nous voyez et vous voyez en même temps ce qu'on fait. Mais est-ce que vous voyez bien surtout? Je pense que vous voyez bien, ça va, honnêtement. J'ai dû baisser la qualité du stream parce que ce PC-là, il supportera pas sinon. Vous voyez bien ou pas? Ça va, c'est correct pour vous? J'espère. Tu peux laisser... Ouais, je vais faire un peu de vaisselle. Tu n'es pas obligé de touiller à 24. Hein, ça peut, je vais faire un peu de vaisselle. Laisse-le vivre sa vie. Avant la vaisselle, ce qui est important, tu me diras si les gens ils disent que ça va ou pas. Oui, je porte des gants roses. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je porte des gants roses, parce que c'est des gants que j'achète au marché coréen. C'est des gants juste géniaux. Ils sont bien épais, protègent bien de la chaleur quand je lave à l'eau chaude, d'accord? Et ils sont longs. Alors, évidemment, on peut trouver ça dans les supermarchés français aussi, mais je les trouve géniaux. En plus, ils sont pas chers. Et ça, je les achète au marché coréen à Paris. Voilà. Alors, Sophie, le problème, que si on avait zoomé, en fait, on voyait pas tout. Ouais, on voyait pas le feu et la plaque. Il nous manque une caméra, ma petite Sophie. Mais, on a une troisième caméra. Voilà. Mais on voyait vos dents. On voyait, voilà, vous voyez. En fait, si on avait zoomé, vous auriez hyper moins bien, pas bien vu, quoi. C'était très français. Enfin, ils ont compris l'idée. Ils ont compris. T'as compris? T'as compris, c'est ça. Donc on fait exit, pourquoi on fait le ketchup en premier? Parce qu'on fait le ketchup en vrai, comme ça, après, il va refroidir. Enchaîne. Ah. Oh, doucement, Séville, on a le temps. Qu'est-ce qu'elle dit? Enchaîne. Ça va, attends, et oh. Après, ça devrait aller relativement vite, hein, de toute façon. Et parce que c'est le ketchup le plus long à faire, hein, mes loulous. Après, derrière, les premiers six, Après, il n'y a plus de rôle. Il n'y a plus de rôle. Éplucher la cervelle. Voilà. Ça va être sympa, ça. Voilà. Parce que c'est lui qui va le faire, en plus. Éplucher la cervelle, ça va être sympa. Mmh. On va bien se marrer. On fait la cervelle en premier ou les patates? Ma cervelle? Non, je pense qu'il faut faire la cervelle en premier parce qu'il faut que ça soit assez chaud, je pense. D'accord. Que les patates avant. Ok, comme tu veux. Pour que la cervelle reste chaude, tu vois. Qu'est-ce que
dit vous ? Ah, il y a Taolan qui a fait un CAP cuisine. Donc il doit être en train de nous juger. Ah ouais, alors, alors s'il vous plaît, ne nous jugez pas. On n'est pas là pour dire qu'on est des professionnels de la cuisine, mes loulous. Vraiment. Hein. On est juste là pour vous proposer quelque chose. Enfin, c'est un professionnel de la vaisselle, oui, mais pas de la cuisine. Professionnel de la vaisselle, là, par contre, là, ouais, là, ça rigole pas. Et ça, c'est, enfin, je vais vous montrer un truc, regardez. Je vais vous montrer un truc que vous connaissez pas. Forcément, vous connaissez pas. Ça vient de Corée. Je vais vous montrer un truc. C'est ça. Ça, vous voyez, ça, ça c'est quoi, ça? Ça, c'est le poêle, tu sais, le gratte-gratte, c'est ça? Oui, les éponges. C'est ça? Vous voyez, c'est le truc vert, là. Mais chez eux, c'est ça. Et ça, ça raye pas les gamelles. Et ça décrasse à mort. C'est-à-dire que vous avez du noir, dans vous cramez un truc. Ça, c'est de la boulette, ça. En plus, c'est la forme d'une fraise, c'est mignon. Mais ça, ça déchire. C'est-à-dire, ça raye pas et ça décrasse, ça décroche tout. C'est magique. Je sais pas en quelle fibre c'est fait, c'est un peu rêche, hein, vous voyez. C'est un peu comme le truc de nos grands-mères de l'époque en métal, sauf que ça ne raye pas. C'est génial. Voilà. Je ne sais pas où ça se trouve, mais c'est génial. Voilà. Ça s'achète sur les marchés coréens, ma chérie, en France ou pas ? Quoi ? Ça s'achète dans le marché coréen en France ? Ah, ouais, non. Ah bah c'est que en Corée que tu achètes ça. Ou tu fais importer. Donc G-Market. Mon coconné. G-Market. Ou tu achètes des gamelles anti-rayures, comme dit Barbie. On n'en est pas mal, on va passer à la suite. Hein, Certaines, le stream, raconte ta life. Non, ma chère Sévi, c'est juste, on passe un moment avec vous. Voilà. Voilà. Arrête de me juger. Bon, je te laisse rajouter la moutarde, si tu veux. Oui, je vais rajouter la moutarde. Ouais, tu peux faire la promo, parce que là... Ouais. Alors, promo, attention, sponsoring, placement de produit. Donc, nous parlons de la moutarde Maison Clarence, qui est une moutarde donc, à l'estragon broyée à la meule de pierre. Donc, fabrication française, donc la personne cultive elle-même les graines de poivre et fait elle-même sa moutarde. Graines de poivre. Graines de moutarde, excusez-moi. Donc, nous allons mettre un peu de... Je vais me permettre de trouver dans la boutique Papa Sapiens, dans le 17e. Je vais me permettre de goûter un peu avant pour voir comment on est au niveau... Bon, après, la cuillère, c'était celle pour prendre la moutarde. Tu as déjà une cuillère pour goûter, ce n'est pas grave. Je l'ai lavée. Je suis maniaque, excuse-moi, dès qu'il y a un truc qui est très... Tu en prendras une autre, alors. Elles sont dans la vaisselle, donc je ne les ai même pas lavées en fait. Toi. Bon, on en a pas, vas-y, fais-le. Je les ai lavées, elles sont où dans la vaisselle ? Ah, on est un peu mieux au niveau assaisonnement. Ça va. On est un peu mieux au niveau assaisonnement. On est franchement un peu mieux. Et c'est un peu relevé, c'est très bien. On est très bien même. On est bien, ouais. Bah, du coup, la moutarde, elle va amener quoi en fait ? Ça va relever un petit peu. Ouais, c'est déjà un peu relevé là pour toi. T'es pas un peu relevé pour toi déjà ? Non. Non, ça va ? Ok. Ok. Parce que si t'y tours, c'est trop relevé pour lui, je l'emmène aux urgences quoi, à la fin de la soirée. Donc on va éviter de faire trop épiment, trop épicé. Ouais. Lily, coucou à toi, Lily57, je te souhaite la bienvenue sur le chat et sur la chaîne. J'espère que tu passeras de bons moments parmi nous. Bien, merci pour ton follow de la dernière fois. Pense-toi, pense, dépêche, en cuisine, on parle après. Oui, très bien. C'est bon, ça suffit. Pourquoi tu en mets dedans ? Je sais pas, alors, tu en vas en mettre. Tu peux goûter si tu veux pour quelque chose. Ah oui, par contre, je vais bien goûter. Non, c'est bon. Ah, c'est bon. Merci. Putain, croque. Okay. J'ai un vessie. Merci, mon cher Poltège. C'est très gentil à toi. Faites des cœurs de malade pour Poltège. Merci, Poltège. Ça nous servira à payer la nourriture. C'était quoi le message ? J'ai pas vu. J'investis dans ce nouveau concept Sims Good. Merci, mon cher Poltège. Vraiment, merci. Faites des cœurs à Poltège dans le chat, s'il vous plaît. Des cœurs partout. Tu seras notre prochain invité. Tu seras notre sponsoring partner. Voilà. On citera ton nom régulièrement. Déjà, on mettra des autocollants sur nos t-shirts avec les Poltège dessus. Ouais, bien sûr que c'est bon. Merci, mon cher Poltège. Oui, parce que bah voilà, ça va permettre de... évidemment, bah, je vous le dis pas parce que ça paraît évident, mais... oui, quand on fait des streams cuisine, on achète de la bouffe. Même si après, bon, j'avais peut-être 2-3 trucs que j'ai ramené de chez moi. Grâce à Titour, s'il a ramené tout ça, voilà, toutes les épices, etc., c'est grâce à Titour. Donc, remercie 1000 fois Titour aussi. Après, voilà, je le fais avec Titour parce que Titour, il habite à côté de chez moi. Vraiment, on est à quoi ? À 10 minutes à pied, l'un de l'autre. À peu près. Voilà.
C'est quelqu'un qui s'y connaît en cuisine, c'est quelqu'un qui aime bien cuisiner. Très sympathique. On a bien déliré pendant qu'on préparait ça. Donc, ouais, naturel quoi. Merci encore, mon cher Poltège. Merci beaucoup à toi, mon loulou. Je te remercie, c'est très gentil à toi. Et trop dissipé pour ce genre de stream. Je suis trop dissipé. Mais non, mais attendez, ce que je retiens de ce stream jusqu'ici, Exa galère à couper et ouvrir des trucs et boit du vin toutes les 20 secondes pendant que Titouan se rattrape derrière. C'est un peu le concept de la chaîne. Moi j'ai mis des trucs dedans, Drolix. Je vois pas de quoi tu parles. On va mettre de côté. Moi je suis là pour mettre en avant Titouan. Non, tu peux laisser, on va laisser refroidir un petit peu et on va les mixer après. Ok. Là tu peux faire. Bah, on commence, fait quoi, les pommes de terre? Ouais, donc il faut les passer à l'eau, les pommes de terre. Oui, enfin on va les faire cuire à l'eau avant pour les ramollir un peu et après on va les faire rissoler. Pour qu'elles soient bien grillées à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur, okay. Plutôt que de les faire rissoler directement. Comment c'est militaire chez moi là? Ah ouais, non mais c'est vite, c'est militaire chez toi, mais c'est un stream, ne l'oublie pas. La cuisine, c'est comme on aime, comme dirait tonton Cyril de Lignac. Tu veux une gasserole pour... Une casserole. On en fait combien de patates? C'est bon, ça c'est bon, ça tu veux plus grand? Oui, ça devrait aller, oui, il y en a pas. Tu veux être deux parmets de patates, d'ailleurs. Ah oui! Sachez que moi, les patates, je ne les épluche pas de l'eau avec l'économe parce que j'ai peur de me couper. Donc, je les épluche à la main. Voilà, j'ai peur de me couper avec l'économe. J'ai toujours peur de me couper parce qu'il faut savoir que pour moi, si je vois du sang, je meurs direct. Voilà. C'est cool, hein. Une petite planche avec quoi? Ouais, bah, Garçon, tu vas essuyer un petit peu avec attends. De toute façon, ça va aller dans l'eau, après on s'en fout que ce soit essuyé ou pas. De toute façon, tu t'en fous que... Parce que là, je la planche, c'est pour mettre les... Ah, mais pour les découper après. Oui, donc ce que vous voyez pas, c'est qu'il y a la poubelle en fait en dessous, là, directement. On voit là ou pas, un peu? Oui, on te voit, t'inquiète pas. Enfin, on te voit pas travailler. Donc en fait, les gens vont croire que tu fais semblant d'éplucher le truc. Ok, bah, de toute façon, j'ai dit que je le ferai au couteau, parce que j'ai trop peur de le couper en deux. Alors normalement tu n'es pas censé pouvoir te couper parce qu'il y a quand même les sécurités. Oui, bah, parce les sécurités, que là, si tu, là, gros, si tu tapes là, ça vient buter. Donc à moins que faut que tu arrives quand même à ce que le truc ça soit comme ça et même comme ça, ça ne racle pas, ça ne fait rien. Ah ouais, on n'est pas rendu là. Ceux qui avaient pronostiqué 4 heures de live, on est pas mal. Alors te dépêche pas trop non plus, ne va pas te couper un doigt ou quelque chose. Non mais je sais bien le faire au couteau. Parce que c'est ma mère qui m'a appris, parce que ma mère elle est pareille que moi, elle n'utilise pas les économes. D'ailleurs ça rend fou mon père parce qu'à chaque fois il dit putain, avec l'épaisseur de patates que tu enlèves quand tu coupes, on pourrait faire deux fois plus de patates, ça le rend dingue. Faire des chips. On pourrait faire des chips, carrément. C'est clair que quand tu coupes au couteau, tu enlèves plus de matière que quand tu coupes à l'économe. Mais moi. Écoute, Duranguier, quand on sera sponsorisé et que je l'aurai viré de la chaîne, on verra. Qu'est-ce qu'il a dit ce con? Que je devrais lancer une chaîne, un stream de cuisine. Ah mais ça, attendez, moi j'ai pris Titour parce que ça fait longtemps qu'il veut faire un truc. Je lui dis vas-y, bah, on fait un truc à deux. Le problème c'est que la configuration chez moi n'est pas très optimale. Mais bon ça évidemment. C'est un peu limité en termes de place, donc c'est un peu ta compliqué. Gueule. Parce que ma zone de travail, moi, c'est une planche posée sur la machine à laver. Et donc sachant que tout à l'heure avant qu'on commence le live, il a dit oui, je cuisine pas trop parce qu'on n'a pas assez de place. Mais je cuisine comme pas, vous voyez, surtout. Il n'y a pas assez de place. Mais parce que ce que vous voyez là, en gros, il y a encore deux fois ça à côté. Titours, je cuisine pas surtout. Oui. Oui, mais te cherche pas des excuses en disant que j'ai pas assez de place dans la cuisine, qu'elle est trop petite. Surtout, je cuisine pas, Coco. Hein? Je cuisine pas. Putain, je vois flou. C'est bizarre. Tu as la tête baissée là. Ça, c'est le vin. Non, c'est pas le vin, ça. C'est quoi? C'est le fait de travailler, c'est le fait de préparer des trucs, t'as pas l'habitude. Je travaille le samedi soir, quoi. Putain, sérieux, tu me fais bosser, tu me fais couper. Il prépare, il voit flou. Voilà des gros beats. 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 Vont tout faire le gâteau d'anniversaire de ta filleule. Alors, le problème, c'est que pour faire du sucré, il faudrait avoir un four. Alors, effectivement, il y a un four. Il y a un petit problème. Le four, il est là, sauf que si on l'allume, on fait cramer la cuisine. Voilà. En gros, je vous ai... Vas-y, explique. Tiens, tu sais quoi, Vas-y, fais-nous rire. Alors, je vous explique deux secondes, c'est un peu con. C'est comme ça. Quand je suis arrivé ici, en fait, ici, il n'y avait pas de cuisine. Il faut savoir qu'en fait, ici, dans mon appartement, dans l'appartement avec ma girafe, avant, là, ici, là... Bon, je sais, vous en avez rien à foutre de ce que je vais vous dire, mais je vous le dis quand même, voilà. Pendant qu'il coupe les patates. En gros, avant, là, il y avait une cloison. Il y avait un mur, là, avant. Et avant, mon bureau où je stream, c'était une cuisine.
Voilà. Là où je stream maintenant, quand vous me voyez streamer tous les jours avec le jeu vidéo, c'était là où je stream. C'était la cuisine. Donc on a viré la cuisine du bureau, j'ai un bureau parce que je travaille à domicile, comme vous le savez, et on a construit toute cette cuisine-là. Le problème, c'est que quand le plombier est venu, ce con, l'électricien avant, il avait installé le disjoncteur, le machin, un peu trop haut, donc il a posé ses tuyaux trop haut. Or, quand vous posez des meubles de cuisine, vous avez ce qu'on appelle un vide sanitaire, une sécurité, où les meubles, ils ont des pieds, ils sont à une certaine hauteur du sol pour que les tuyaux, ils passent en dessous. Sauf que moi, mon tuyau d'évacuation d'eau, il passe au-dessus. Et donc, vu que le four, il colle quasiment le mur, il colle le meuble. Et entre le meuble et le mur, il y a quoi ? Il y a le tuyau d'évacuation. Donc, si j'allume mon four et que le fond du four chauffe, je fais fondre mon tuyau d'évacuation de PVC d'eau. Donc, j'ai un four, mais je ne peux pas l'utiliser. Alors, pour l'instant, je vais refaire des travaux. C'est-à-dire que je vais enlever le four. Il est là, le four, là. Je vais enlever le four, je vais creuser une tranchée derrière le four et je vais passer le tuyau derrière dedans. Voilà, c'est génial, on s'en fout. Cobaye, bien sûr, bonjour à toi mon cher Cobaye, j'espère que tu vas bien. Pendant ce temps, Titour se fait... Ah vas-y, j'aime bien couper, laisse-moi couper. J'aime bien faire des carrés de tête. En fait, tu vas pas plus vite que moi. Hein. Non mais c'est mieux fait. C'est tout. Comment pas. Bah suffit de voir... C'est pas mal le concept, on est d'accord. Ouais, je sais. Chez vous, votez à l'économe, au couteau. Je suis désolé, moi je trouve le couteau, il y a une certaine forme. Alors t'as pris la plus dégueulasse que j'ai faite quand même, la première. Les autres sont coupés. Voilà. Non, ça, c'est moi qui l'ai faite. Non, c'est pas. Non, si, non. C'est moi, parce que tu vois le découpage des petit à petit. Ouais, t'en foutre. Donc voilà. Donc il y a. Moi, c'est la mienne. Le talent et il y a le couteau. Voilà. Ouais, mais on fait tu sais quoi, t'aurais dû acheter plus de patates, on aurait vu qui coupe les patates plus vite. C'est moi, c'est sûr, c'est moi. Avec le couteau, c'est moi. Oui, bien sûr, avec ton couteau, t'as raison. Je suis sûr. Bon, bah vas-y, découpe-les maintenant que tu voulais faire. Bon, bah par contre, faut mettre peut-être un peu plus fort l'eau pour que ça. Fais-le, c'est comme chez toi, j'ai envie de te dire. Attends, j'ai pas vu comment tu faisais, tu coupes en deux. Enfin, fais comme tu le sens, hein. Je croyais que tu savais faire, que t'aimais bien faire ça, donc fais ta technique. Pas trop petit, s'il te plaît. Quand les fer est saoulé, après, faut qu'il y ait quand même une certaine texture. Faut qu'il y ait un peu de. Ok. Voilà. Merci de Rorix. C'est le truc qui fait du bruit comme ça? Oui, parce que je l'ai mis en pot ouvert. C'est-à-dire en fait, c'est-à-dire qu'il est en maxi. Là, ça va chauffer dans moins d'une minute, c'est ça bout. On a l'impression que ça va décoller. On va mettre un peu de sel. Hein. Un peu de fleur de sel. Ouais, on n'a pas mis de. Oui. Ouais. Bon, après, de toute façon, on va les essorer, les essuyer. Et après, on va leur faire un petit bain. Enfin, on va les tremper dans l'huile et l'assaisonnement. Et après, on les fera rissoler. Et oui, Noisfell, exactement. Il a une belle cuisine, mais il ne s'en sert pas. Ah, mais c'est dommage. C'est ma femme qui cuisine, elle n'est pas là, elle ne voulait pas, mais... Mais sa femme, au moins... Ma femme, elle s'en sert tous les jours de la cuisine, elle le fait très bien. Ah, moi, chérie, tu cuisines bien. Elle en a rien à foutre. Mon amour, ça va? T'as faim ou pas? Ah, elle a faim. Attends, faut qu'on se baigne. Vite! Ta gueule! Il est désolé, sinon. Très bonne nuit. D'accord. Mmh. Girafe a fait une commande de bouffe là, de toute façon. Donc. Oui, elle a fait une petite commande de bouffe parce qu'il me reste des frites de patates douces d'hier. Frites de patates douces, c'est vachement bon. Oui. Je sais pas si tu connais. T'as déjà goûté ? Oui, bah oui, quand même. Sophie, toi, clin d'œil, frites de patates douces. Toi-même, tu sais. Ah oui, le four ne marche pas, mais le micro-ondes, ça par contre, ça marche. Ouais, et j'ai un micro-ondes four. Bah oui, parce qu'il faut bien que je remplace quand même. Au pire, je viendrai avec le même, ça sera plus simple. Examine les patates façon rétro gaming, c'est ça mon chat. Oh, bien, drôle. J'aime beaucoup ta. Non, vas-y, mets les patates dans la flotte. Ça a pris. Attends, faut que t'as mis les boutons dans la escorpée. J'adore, mais tu sais que tu peux faire ça plus délicatement, doucement, ou sinon tu. Mais je t'emmerde! J'ai l'impression que c'est Titanic qui passait hier soir à la télé, ça revient même. Il en fout partout.
il fait jeter. J'espère que ça vous fait marrer chez vous parce que à voir en live c'est assez magnifique. Ça brûle, c'est chaud. Mais pour maintenant, c'est n'importe comment, évidemment que ça sort. Ah, ça va, c'est bon, ça regarde, elle sent dedans, c'est bon, elle sent plus. Là. Ah, bah oui, là, c'est bien, t'as arrosé partout, là, il y a de l'eau. Ça va, écoute, je regarde. Un coup de pâte magique, là, il n'y a plus d'eau. Pâte magique. Ce boulet, Tolan, effectivement. Je ne suis pas un boulet. C'est qui c'est Tolan qui est en cuistot, qui est chef, machin, là, qui fait un CAP. C'est Tolan. Ah, il y a un chef qui veut voir ça quand il passera sur Paname. Moi, je veux voir ça quand ça. Tu veux voir quoi ? Tu dois faire un don pour être invité. Est-ce que vous avez aussi chez vous, dites ta gueule à chaque fois que vous entendez la girafe, ou je suis vraiment le seul taré ? Ma chérie, je peux te demander un service, je te le demanderai une fois ou deux maximum dans la soirée. C'est important, c'est les gens, ça leur fera plaisir. Tu peux venir là, caché, et juste dire ta gueule, bien fort. Parce qu'ils adorent que tu me dises ta gueule. T'es pas comme ça. Elle ose pas parce que je suis là. Ma chérie, fais-toi plaisir. Je sais que tu kiffes bien. Viens me dire. Tu en veux du vin en fait, mon amour, ou pas? Oui, moi j'en veux bien. Viens dire ta gueule, ma chérie. Mais t'es pervers ou quoi? Mais non, mais c'est devenu quasiment un même. Comme tu veux. Je ne t'oblige pas. Mais ça nous ferait plaisir. Tu peux pas te dire ta gueule. Tiens, lis ce que Sophie dit. Niveau réglage de la caméra. Juste un détail, peut-être virer la mise au point auto de la webcam vue du dessus, surtout si la vue ne bouge jamais, il n'y a plus besoin une fois que le... Oui, c'est Sophie, mais je sais pas l'enlever, j'ai pas trouvé comment l'enlever ce réglage. Mais je suis d'accord avec toi, ma chère Sophie. Alors Nosfell, malheureusement non, parce que j'habite en appartement à Paris et donc j'ai des plaques électriques. C'est quoi? Bah, c'est la C920, c'est la celle que t'as. Mais j'ai pas cherché, Sophie, je t'avoue. Enfin, c'est la mienne. J'ai pas... Celle-là, c'est la mienne. Là, c'est, celle-là, c'est la mienne et celle-là, c'est celle à Titours. C'est les mêmes, en fait. Et là, on te... Bah, écoute. Voilà. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Bah, pourtant, bah, je veux bien. Bah, Drovic, Sophie, je veux bien vous m'expliquer. Si vous voulez, c'est. Je me suis jamais penché sur la question, c'est surtout pour ça. Attends, je vais peut-être la laver la planche. Je me suis jamais penché sur la question, mais si vous m'expliquez, qui me dit que c'est facile, et en plus si je peux le faire en stream, alors là c'est parfait. Pourquoi ça change souvent de... Ça change souvent de points? C'est régulier? Ah oui, je mets des gants aussi parce qu'en fait j'ai la peau trop fragile. C'est-à-dire que si j'utilise des produits de laver de vaisselle avec ça, sans gants, j'ai la peau qui part en sucette. Je suis un peu obligé, j'ai pas le choix. Il est fragile. Je suis un homme fragile. Alors il y a Drouix qui dit qu'il y a un logiciel à télécharger sur le site officiel qui permet de régler la cam. Ah oui, oui, d'accord, ok, je vois, c'est lequel. Okay. Voilà. Ah, c'est juste ça. Saladier, c'est par où? Alors, saladier de troisième tiroir. Ouais, t'en as un rouge et un vert. Mais nous, on a saladier. Tu n'as pas ton cœur, ton blanc. Ah, tu veux un saladier ou une passoire? Bah, les deux. Ah oui, pardon, ma chérie. Oui. Bah, saladier, t'as le marron là, ou tu veux un beau blanc? C'est pour mettre quoi? C'est pour mettre les patates? Oui, pour les assaisonner. Ok, c'est bon, je te donne ça. Vas-y, range. Ah bah, mais prends le marron, il est très bien. Heureusement que Giraffe est là pour te donner des conseils. C'est pas moi qui suis dans la cuisine d'habitude! Ah bah, ça, on l'a bien vu. Noter le temps pour les patates du tour. Non mais on fait ça vu d'œil, il n'y a pas besoin de chronométrer ça. C'est monsieur, je suis un dieu de la cuisine, j'ai pas besoin de mettre du temps quand je suis sur les pommes de terre. Tu fronces et tu piques en couteau, si tu vois que ça passe à travers et que ça retombe, c'est que c'est bon, c'est tout, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Imagine, t'as un appel et que tu fais pas attention et que tu t'en vas, tu t'éloignes de ta cuisine. Mais je fais attention parce que quand tu cuisines, t'es concentré. Enfin, normalement. Vu que je ne suis normalement, pas, ça se passe comme ça.
Après, si tu fais n'importe quoi, forcément, ça se passe mal. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent debout? Ok, tu es Droïs, merci, merci. J'avais pas vu la recette pour venir. Je peux venir manger Nosfell. Écoute, on invitera des gens plus tard ne t'excuse pas de pointilleuse d'équilibre avec Exa. C'est moi ou le fait qu'Exa, dès qu'il n'est jamais dans la cuisine, c'est un peu sexiste. Alors, mon cher cowboy, je vais t'expliquer un truc, comme ça tout le monde le saura. Je vous explique rapidement. À la maison, ouais, vous savez que ça fait très longtemps que je suis avec ma femme, hein, ça fait plus de 10 ans maintenant. Et quand on s'est mis ensemble et quand on s'est mis à vivre ensemble, on a défini une règle très simple qui consistait à dire « Toi, tu fais la cuisine et moi, je fais tout le reste. » Donc, si vous voulez, c'est notre façon de procéder. C'est pas juste que c'est sexiste de dire que je ne me mets jamais les pieds dans la cuisine. Je me fais à manger le midi. Il fait vraiment tout le reste. Oui, tout le reste. Il dit « Tu fais la cuisine et lui, il fait tout le reste. » Oui, c'est vrai. D'accord. Tu peux le dire plus fort, s'il te plaît, chérie. S'il te plaît. Merci. Voilà. Donc, moi, je fais tout le reste. Je fais la lessive, le repassage, la poussière, l'aspirateur, la vaisselle, tout le reste. Tout le reste. Voilà. C'est je fais tout le reste. Donc, c'est notre façon. C'est notre façon de procéder. Ta gueule! D'accord. À quand le stream gaufre Sophie Dreamy? Mais Barbuma, de toute façon, j'ai prévu. C'est le premier concept. Là, ce soir, vous voyez le premier concept. J'ai prévu d'autres concepts cette année, d'autres choses à venir que je vais faire avec d'autres personnes, pas forcément toujours avec Itours, d'autres concepts qui ne vont pas forcément être un stream cuisine, mais pourquoi pas un stream cuisine avec Sophie, mais je la ferai venir ici et on fera un stream gaufre avec grand plaisir. Bon, écoute-moi les patates. D'accord, d'accord Jean-Jacques. Itours, oui chef. Oui chef, s'il te plaît. Je les mets là-dedans? Non. Là, tu mets dans un torchon et tu vas les essuyer. C'est chiant? C'est pas chiant, c'est comme ça. Et après, tu me sors une sauteuse ou une poêle pour les faire. Le wok, là, le gros, la grosse casserole que je t'avais montré. Ah, celle-là. Ah, ouais, celle-là. Ah, j'arrive pas à me faire avec la. Est-ce que les patates vont tomber? Non. Les patates là-dedans, quoi, carrément. Pourquoi tu fais ça? Pour que ça soit sèche, pour que ça prenne mieux l'assaisonnement. Comme ça. Voilà. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais je vais comme ça. Oui, doucement. On va pas les écraser. Mais personne fait ça. Bah, c'est... Non. Moi j'ai envie. Personne fait ça. Vous le faites chez vous, ça? Ça vous le faites quand vous faites des patates? Vous faites chier à faire ça? Merci, Nosfell. Non mais Nosfell, mec, tu me fais croire que tu fais ça, tu fais des patates et tu les mets dans un torchon. Je te crois pas. Oui, parce qu'en fait, c'est ce qui accroche dans au fond de la poêle, c'est l'amidon. Il reste collé aux pommes de terre, donc le fait de les essuyer, ça enlève l'amidon. Et après, tu peux mettre l'huile et tout, et après, ça les fait trier comme il faut. Très Nicolas, j'aurais fait sa cuisine pour son four. Trevoix, il est con. Stream gaufre et sa mère. Oui, mais ce que Exa ne dit pas, c'est qu'il est maniaque, donc il adore ça. Mais non, bon, après, faut pas croire. Oui, il a l'air bien maniaque, effectivement. Donc là, tu peux le mettre dans le saladier. T'es conscient que mettre des patates depuis un torchon dans un saladier... Tu veux que je le fasse? Non, mais je vais le faire, mais bon... Tu vas voir, c'est très compliqué. Il y a des chances que je le foire, quoi. Décale-toi un petit peu, sinon on voit pas tout ce que tu fais. Excuse-moi. Voilà, c'est bien. Donc là, assaisonnement, hop, on va faire ça à l'huile d'arachide. De cuillère ou pour mélanger? Non, tu le mets comme ça, là, tu vois bien. Ah non, mais non, mais j'ai pas. Non, mais attends. Tu fais ça, tac, 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 hop, 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 hop. Oui, non, mais voilà, quoi. Ça, mais oui, non, mais. C'est pas compliqué, là, tu vois sinon. Donc là, tu cuisines tous les jours, je ne cuisine pas, faut comprendre ça, que toi, pour toi, c'est un réflexe, voilà. Moi, c'est pas un réflexe. On va mettre assaisonnement un peu de sel viking. Au passage, le sel viking, c'est juste pour se la péter, hein, sel viking, tu vois. Je n'aime pas de viking, mais c'est débile. D'accord. Notre ketchup va bien, il est toujours là. Il est toujours là, le ketchup. Il est là. On va le mixer après, vous inquiétez pas. Oui, on va faire un mix de... Alors, pour exactement... De l'huile d'arachide. Pas parce qu'on est maniaque qu'on aime ça. Merci Julie. Putain, merci Julie. C'est pas parce qu'on est maniaque qu'on aime faire la vaisselle. Oh, mais je suis taché.
Comment est-ce possible, toi qui fais délicat c'est beau. Attention à ce que tu fais. Faut que ce stream soit sur YouTube. Alors oui, ma chère Sévi, je le mettrai sur YouTube si Twitch déconne pas sur l'enregistrement, mais il sera sur YouTube. Par contre, je suis désolé, la qualité sera pas exceptionnelle. Ça m'emmerde, j'aurais bien voulu le faire en 1080, mais bon, c'est pas possible. Voilà. Le PC actuel, le PC que j'utilise, le PC que m'ont offert Jeff, Sévi et Papy, je peux pas le pousser au max. Tout à l'heure, je l'ai fait et il s'est passé des choses pas très bien. Donc, pour que ça soit visible et fluide pour vous, j'ai baissé un peu la qualité. Voilà. Le sel viking, c'est la signature de Titours, dit Sophie. Oui, j'en fous partout. Druig dit c'est du sel qui pillait ta maison. Tiens, vas-y, je te laisse lire la description. Alors, le sel viking, en fait, c'est un mélange de plusieurs choses et de plusieurs types de sel. Une merveilleuse recette héritée des vikings, blablabla. Sel oignon, sel fumé, poivre, curcuma et sel de table. Donc, il y a plusieurs types de sel. Voilà. Par contre, ça sent extrêmement bon. Mais ça permet de limiter la dose de sel tout en parfumant. Ça sent super bon. Ça fait un peu fumé, comme du sel fumé. C'est vraiment sympa. Du sel qui meuf. Ça reste que la cuisine. Bon, on est d'accord, mon cher boy. Donc là, c'est assez chaud. Vas-y, ça crie quand tu ouvres. Je peux voir, je vais essayer. Je vais voir. Je vais mettre les pommes de terre. Peut-être que ça crie quand je les mets au feu. Peut-être, enfin, vas-y doucement. Tu peux glisser, t'as pas besoin de pousser à terre. Mais ça crie un peu. Je vais dans le. Attends. Parce qu'il n'y a pas de manche ici, il faut récupérer. Ouh! Le papa, oh doucement là! Mais Marc, il n'arrive pas les pommes de terre, tu sais, tu peux faire comme ça sinon ça marcherait bien. Voilà. Donc là, on le met assez fort histoire que ça grille bien et après on va baisser un petit peu. Ouais, là ça brûle, ça grille pas. Bon bah on va mettre moins alors. Enfin, je sais pas qu'est-ce que. Non, faut que ça saisisse un petit peu. Bon, et bah vas-y vite alors, go. Voilà. Ça, je peux le laver ça du coup? Oui, ça c'est bon. Bah, on aura par contre de garder là. Juste parce qu'on a besoin pour la cervelle juste après. Okay. Merci Nosfell. Qu'est-ce qu'il dit Nosfell? Voilà, mais ça va, je sais le faire aussi. Hein, merde. Je suis pas débile non plus. Hein. Putain, j'ai partout. Je suis pas débile non plus. Ah, mais ça va. Non, mais c'est bon, ça suffit. Arrête de les stresser. Laisse-les tranquilles, les patates. T'as un tablier, toi. Moi, j'ai pas de tablier. Laisse la patate tranquille. Moi aussi, je suis retourné des patates avec les poils, tu crois. Oui, tu t'en fous partout, donc non, c'est bon. T'as faim? Hop là. Ah oui, putain, merde. Oui. Il a oublié les chips. J'ai complètement oublié les frites de ma femme. Les frites, pardon. Tu veux bien chaud? Alors moi quand je le fais non, quand il fait, j'ai un peu plus peur. Mais on voit sa tête, il est concentré, il fait attention, il sait qu'il est regardé, donc il fait un peu plus attention. Mais je suis à pas à plus de 10 grammes, c'est vite, j'ai bu un verre et demi de vin rouge, de vin blanc. C'est rien. Je suis pas du tout à plus de 10 grammes. C'est juste que je suis bien, je suis détendu. J'essaye de faire en sorte que vous passiez un bon moment, donc je fais le con. Il y a la girafe qui essaye de passer avec son pot de fleurs là. Qu'est-ce que tu veux faire ma chérie? Moi je regarde. Ouais, tu regardes. D'accord. Pourquoi tu mets le pot de fleurs? Comme ça, mon amour, t'as pas compris, la caméra, la personne. Ma chérie, écoute, Titours, on le voit, mon amour. Titours, on le voit pas là. Tu pourrais, Titours, on le voit. Regarde là. Là. Mais, ah oui, on te voit dans le miroir. Ah oui. Ah. Ne regardez pas le miroir. Fais ça, je peux faire ça. Non. Donnez-moi patate douce, putain, bordel. Non, mais je te donne patate douce. Ah bah enfin. Il y a Sylvie qui est contente qu'il y a enfin voilà le bordel. Quoi voilà le bordel? Ah mais c'est trop chaud. Mais non c'est pas trop chaud. Non mais c'est pas comme ça, c'est trop chaud. Mais non c'est pas trop chaud. Mais si. Mais goûte, mais c'est pas la manger ça. C'est pas trop chaud. On va les laisser tout seul, hein, vous inquiétez pas. Mais non, ta gueule. Mets la dans ta bouche. Mais... Ah mais putain, mais tu m'as fait tomber le patate douce. Peggy 18. Pas dans la bouche. Mais c'est bon, toi. Mets-la là, à côté de toi. Mais c'est trop chaud. Et bah, mais mets-la, putain. Mets-la. Mais t'attends un peu. Incroyable. Attends un peu. Même réchauffer des trucs au micro-ondes, il n'y arrive pas. Oh, c'est trop chaud.
s'il en a pris une, c'est pas trop chaud. Ah, t'as pris une olive, toi. Tu portes pas, mec, surtout. Hein. Je prends pas de manger de girafe, hein, désolé. Hein. Non, mais tu es mauvais. Mais non, je ne suis pas mauvais. J'ai eu peur aussi de voir les patates sauter sur, vers le sol. Mais non, Julie, mais non. Et il y a le ketchup poché, donnez-moi ketchup. Tu veux ketchup? Ah oui, il y a le ketchup de Blend. Il est là. Je lui ai donné un coup de casquette. Voilà, on va pas les déranger pendant qu'ils font leur vie. Hein, ils font non, c'est bon, c'est bon, voilà, c'est réglé. Ça panique. C'est bon. Alors voilà, 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 le miroir, mon miroir. Hein. Zoomé aussi, 3 Johnson, on va refaire jusque dans le miroir. Trouisse. Là, ils sont en train de dorer tranquillement. Bah, ça va, Nostal. Je sais faire réchauffer des trucs au micro-ondes. Ça va. Jolie coloration, on essaye de tout mettre sur une seule couche. Ah, le fil qui traverse le salon, quel fil traverse le salon? Ah, ça là? Quoi, le celui-là là? Là? Oui, celui-là là-bas, je pense. Ah, ça c'est pour le mixeur tout à l'heure, parce qu'on va mixer les patates. Tu vois? On dirait vibrateur. Le truc qui n'a jamais été utilisé jusqu'à présent, il a fallu que je vienne et que je demande quelque chose pour qu'ils se disent, ah tiens, c'est vrai, on a ça quelque part. Mais c'est pas moi qui cuisine, c'est ma femme. T'en vas foutre, elle l'utilise pas. C'est pas une raison. On dirait un vibrateur. Tu veux l'utiliser, ma chérie? Peggy 18. Ça va être un peu trop violent pour toi. Non, la taille, ça va. La taille, ça va? Ça la changera. Vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire. Ça va, c'est bon, là? Ouais. Bah, c'est bon, ouais, je sais. On peut recycler la bouteille, hein, madame Gérard. Ouais. C'est un message de Nosfell. Quoi? Il me voit? Mixer les patates Doro sautées. Doroix, exact. On voit la girafe qui siffle la bouteille devant dans le miroir. Il est con. Non, ma chérie, on te voit dans le miroir, mais t'inquiète pas, on te voit de loin. Voilà. C'est bon. Enfin, je veux dire, tu vis là, quoi, ça va. On la camoufle. T'es pas un fantôme, quoi. Bon, les patates, elles sont bien, là. Elles font... Alors là, si vous voulez, on a le ketchup de prêt. Je suis assez content de notre ketchup. Hein. Quand on va le mixer, encore, ça va. Il faudra le mixer après. Ouais, mais quand tu vas te mixer, il va être sympa, je pense. Je pense. Ouais, je pense. La taille ça va, oui bah la taille ça va quoi, voilà. Dépêche-toi exact. Alors attendez, je suis désolé, j'ai pas vu tous vos trucs que vous m'avez envoyé. Économe, cheer, direct. Ah Sévia a mis plein de fois ta gueule, c'est bien. Oui, on les entend pas ce soir, mais on les entendra sur le replay. Donc n'hésitez pas avec les ta gueule, c'est pas possible. Non mais t'es nul. Non, Paul Tech, il y a une seule bouteille de vin pour trois, donc non, il y a encore un peu de marge. Oui non, on sera pas. Bon enfin on en a. Non, j'ai encore. Oui, t'en as d'autres, mais là, on a bu qu'une oui, bouteille même à trois. Oui, même elle pas. Est, elle est même pas encore finie. Elle est même pas finie, non, attendez. Je coupe des trucs quand même, je suis pas là pour me mettre une donc après, la cervelle. Donc après, on va entamer la partie la plus fun du truc. La cervelle, tout à fait. Donc la cervelle, il va falloir la blanchir, c'est ça? Exactement. Et ensuite, il va falloir enlever la peau. Et ça, ça va être un moment super sympa, puisque c'est moi qui vais le faire. C'est lui qui va le faire. Voilà, c'est ça. Je peux finir le temps? Fini, ma chérie. Bon, c'est fait. La girafe a fini la bouteille, voilà, vous êtes au courant maintenant. J'ai faim, je vais faire des toasts au saumon. Eh ben mon cher le péremptoire, fais-toi plaisir. Bah écoute, limite, tu me prends une petite photo. S'il te plaît, tranquillou. N'hésite pas. Tu vas au Fox, Pépé, pour les toasts? Donc là, limite, les patates, une fois qu'elles seront bien grillées, on pourra les mettre à côté après. Le temps de faire chauffer l'eau pour, ça roule. Pour la cervelle. Ok, chef. Selon ton timing. Ah ben, le timing, on est bien là. Donc, Sévi est sucré. Je suis sucré. Ouais. Tu es sucré, Sévi? Ma chère Sévi, si tu es sucré, ben, on est d'accord pour goûter, quoi. C'est bien. C'est lui qui l'a dit. Moi, je respecte papy. Je ne serais pas permis. Non, mais je le goûterai aussi, papy. On fait une paire de coups, quoi. Je me désolidarise de cette recette. Elles sont belles. Les patates commencent à être belles en vrai. Et vous voyez, ce que j'aime beaucoup dans notre setup, c'est que malgré qu'on fait cuire des patates ou qu'on a fait cuire du ketchup tout à l'heure, donc malgré la fumée, la caméra reste quand même totalement visible. Il n'y a pas de, ouais. Y a pas de buée qui s'y met. Et ça, c'est cool. Sachant qu'on n'a même pas mis la haute, histoire ouais. De garder un peu de son ouais. Audible. Non, mais je suis l'air de rien, mais Loulou, je sais que pour vous, c'est pas un truc de fou. Vous dites, ouais, bah, y a deux caméras, ouais. C'est bon. Mais je suis vraiment fier de notre setup. On n'a pas du matériel de psychopathe et je suis vraiment content de ce qu'on arrive à faire avec juste deux caméras et un micro. C'est vraiment cool.
Évidemment, on pourrait carrément améliorer le concept. Hein. Il faut savoir que là, cette caméra, en fait, elle est accrochée. Envoyez vos dents. Cette caméra, elle est accrochée à une porte de placard. C'est pour ça que ça tourne, en fait. C'est le secret du tournage, le making of. Tiens, mais léger là, quand on les fasse continuer à les faire griller par là. Là on les fait griller, après on les fait chauffer pendant 10 minutes, un quart d'heure, après doucement. Oui mais en fait j'ai pas besoin de préchauffer la plaque, puisqu'en fait l'induction ne fonctionne pas si t'as pas de plaque. Non mais c'est le temps que tu démarres à le faire. Technologie. Voilà. Oui mais bon, t'es pas très rapide non plus dans ton temps d'action. Ah mais c'est juste un bouton, j'appuie un bouton et je fais 1, 2, 3, 4. On a bien vu ce que ça donnait avec... Ça ne marchera pas si j'appuie avant, puisqu'il n'y a rien sur cette plaque. On a bien vu ce que ça donnait avec les frites de panais. MacGyver, je suis MacGyver. Vas-y, je vais manger un peu. Non, c'est bon, laisse-les. Je vais vous prendre en photo. Allez, va. Tu vas prendre en photo. Plus de miroirs. Oui, on met des miroirs partout. Plus de patates. Il n'y a pas à manger. Alors, si Droïx. Va burmer, moi, pardon. Techniquement, il y a à manger pour 3, mais c'est vrai que petit ours m'a dit dans la voiture. Ça risque d'être un petit peu serré pour 3. Mais bon, ça va, moi je me sacrifierai pour ma femme parce que je l'aime et parce que je veux pouvoir passer une nuit correcte. Femme. Oui. Mon copain me demande, ça fait quoi la chaîne? Il veut voir. Je pense. Ah, carrément, ouais, tu lui donnes. Il va sur Twitch, d'accord? Et quand il est sur Twitch, il fait slash et il fait bon. XD underscore EXA, E-X-A. Hop, vas-y. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi? Bah là, tu mets doucement, là, donc une fois que c'est bien grillé, on les fait un peu plus griller, un peu plus. Doucement, pas trop chaud. Je mets à 2, ça va les garder au chaud. Oui, voilà. Et t'as pas préparé là pour la cervelle, c'est quoi? Attends, je me suis occupé aussi, hein. Oui, t'es occupé à parler, oui. Ah, si tu peux la donner aussi à ta belle-mère, elle voulait voir, ma chérie, je sais pas. Alors, les légumes, c'est pas prévu, Céline. Les légumes, c'est les patates. Non, X, XD, X, X et la lettre X. Mais et peut-être la lettre que pour une chaîne recette, on fera des légumes. Underscore, c'est le 8. Enfin, je sais pas si tu m'entends, Sévi. C'est assez bruyant ici. Attends, mais je peux lui envoyer. La patate est un légume, hein, comme le riz et les pâtes. Ne l'oubliez pas. Bon, bah ça va, Sévi, là. Tiens, Coco. Bah tu mets de l'eau dedans et tu fais chauffer l'eau. Non, putain. Enfin non, tu mets de l'eau froide et tu poses après et tu mets la cervelle dedans. Parce que faut que ça parte d'eau froide. Ça part après, dès que ça frémit un petit peu, on laisse 5 minutes, après on met dans l'eau froide et là t'enlèves la peau. Je sens que je vais pas aimer ce passage du stream. Mais si, t'inquiète pas. Oh là là. Il est dessus ou pas, ma chérie, il a trouvé? Ouais. Eau froide? C'est bon. Attends, je vais mettre un manche. Il est dessus? Il est dessus? Coucou Morgan, si tu es là. La cervelle, mes loulous. La fameuse cervelle. Et on va mettre un peu de beurre dans les patates. Le mec, t'as jamais mis de l'huile déjà. Oui, mais c'est passé. L'huile, la cervelle, elle est là. On l'a achetée chez le boucher. 10 ans de stream d'Exa. Et sa femme ne connaît même pas sa chaîne Tristieux. Barbuma, c'est comme ça, mon loulou. Chacun, elle n'est pas intéressée par ça et je ne m'oblige pas à être intéressé. Et qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Voilà la cervelle, mes loulous. Donc, c'est la cervelle d'agneau, hein, c'est ça? De veau. De veau. Vous êtes prêts ou pas? Je vous le mets. Allez, je vous le mets. Là, on rentre dans la partie Resident Evil, tu comprends? Là, on rentre dans la partie de la cervelle. Alors personnellement, je n'ai jamais goûté de la cervelle, je ne sais pas à quel goût ça a, et je ne sais pas à quelle consistance ça a, je ne sais pas, voilà, il y a plein de sang, c'est dégueulasse. Sachant qu'elle est déjà un peu préparée, il reste juste la peau. Hein. Ouais, c'est-à-dire qu'on n'a pas acheté une cervelle où il fallait préparer tout seul parce que c'est hyper chaud à faire. Voilà. C'est absolument horrible en fait, je te le dis, hein. C'est horrible, je l'avais jamais, Je te le dis, je l'ai jamais fait, mais je te le dis. Ah putain, mais il y a plein de sang, mais c'est horrible. Mais tu crois que c'est quoi? Donc mets-le dans l'eau, parce qu'il faut le mettre dans l'eau froide. Je peux le... C'est bon, Vire-moi l'eau et tu me remets de l'eau froide. Ah bon? Oui, il faut que ça parte dans l'eau froide. Mais ça, tu peux mettre sur la télé aussi ou pas, le vidéo? Twitch? Ouais,
En fait, il faut que tu le mettes sur ton téléphone et que tu le mettes en... Ouais, tu peux le mettre sur ton téléphone Chromecast. Attends, je vais te le faire, ma chérie. Un petit zoom sur les patates. Je te le fais après, deux petites secondes. Et là, donc là, je... Bah, tu la mets dans l'eau froide, c'est pas compliqué quand même. Non, mais tu... Mais dépose-la dedans. Là, ça va faire splouch, tu vas foutre de l'eau partout. Mais mec, j'ai jamais touché de cervelle de ma life. Bah justement, ça sera la première fois, tu touches et hop, voilà. Ah, ils ont laissé tous les morceaux, faudra tout enlever après. Oui, parce que tout le blanc et tout ça, faudra le dégager. Oh. Un peu de thym sur les patates. Je sais, t'as du thym? Du thym, j'ai du thym en... Oui, j'ai du thym, mais du thym... pas du... T'as compris? Non. Ah, on a du thym, oui, on a du thym. Mais j'ai vu, on a du thym. Parfait. C'est vite, pourtant, on va mettre un peu de thym. Là, l'eau, elle chauffe, petit ours, on est d'accord? Elle chauffe, oui. Et une fois que ça commence à frémir, on laisse 5 minutes. Et après, tu mets dans l'eau froide et t'enlèves la peau. Et t'enlèves pas tout ce qui traîne. Je vais préparer l'eau dans l'enlève de la peau. Donc là, on arrive à Mélou, on arrive à la partie critique du stream. Hop, hop, hop. On avait ça sans les gants, ça va être sympa demain. Un peu de thym, je sais pas si vous voyez, c'est pas sûr. Il y est. Tu peux utiliser ton téléphone où t'en as besoin? Oui, tu peux. Pour mettre le truc de ton appareil. Ah bon, tu t'en fous? Merci Paul Tedge pour ton retour. Et Sylvie? Non, parce que j'ai montré les patates avec le thym et tout. Elles sont pas mal. Elles sont sympas. Regarde les patates, ma chère, elles sont belles. Ah ouais. Bon, c'est un peu gras, donc on va un peu mettre sur un petit papier. La girafe qui quand même utilise le bouquet de fleurs en mode Metal Gear Solid pour se cacher là. Tu sais, ce n'est pas nécessaire. Parce que là, tes tours, c'est de cache, ma chérie. Alors, j'ai pas besoin de te cacher parce qu'on te voit pas. On te voit pas là. En gros, c'est. Là, jusque-là, on te voit pas. Non, mais là, on te voit pas. Cervelle, oh la vache. La cervelle, c'est de la vraie cervelle, hein. Ah, c'est magnifique. Ah, tu kiffes la cervelle? Alors le ressenti du toucher, Nocelle, bah écoute, le toucher c'est assez, c'est pas hyper sympa quand même, je vous le dis, hein. La cervelle c'est pas un truc que je fais tous les jours. Dégage, hein. Dégage. On ne voit pas là, ma chérie. Ah si, là on ne voit. Prends photo. Attends, je censure la girafe, c'est bon, vous l'avez pas vu. Oh, c'est bon. La girafe qui passe en mode touriste et je prends des photos, photos. Pardon. Alors c'est de la cervelle, voilà. Donc amis zombies, bonsoir à vous tout à fait, puisque je vous rappelle quand même que la recette, le concept de Cook and Games, c'est on fait une recette de cuisine en fonction, en rapport avec un jeu vidéo. Pourquoi t'as remis à 4, Loulou, c'est voulu? Je t'avais mis à 2. Non, 3 si tu veux. Non, ça va, ça rend bien. Niveau luminosité, on est pas mal. Ouais, non, c'est bien, c'est bon. Et du coup, si tu veux, qu'est-ce que je disais? Je disais quoi? Putain, attends, je sais plus ce que je disais. Un petit peu d'herbe. Ouais, merci Sylvie pour les thym. Alors le ressenti pas exception, pas sympa, pas cool, pas ultra sympathique. Oh, on va pas se cacher. Cervelle, je repasse tout à l'heure, spaghetti boulot. Ok mon cher Ansel, bisous. En fait, j'ai oublié de demander pourquoi je suis VIP mais sans les privilèges. Alors en fait je sais pas, mais normalement VIP, vous avez les privilèges quand je vous mets VIP. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, quand vous êtes VIP, vous n'avez pas les privilèges, c'est normal. Je veux rejouer avec vous. Ouais, moi aussi, ma chère Sylvie. En parlant de jeu, tu joues quand, Exda? En parlant de jeu, de Resident Evil 2, bah, en fait, je vais d'abord finir Alien Isolation, donc je pense qu'il y a encore 2 streams dessus. Et ensuite, on passera à Resident Evil 2. Donc, la semaine prochaine va être une semaine très chargée pour moi, parce que j'ai deux rendez-vous dans les soirées. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Il y aura peut-être un ou deux streams maximum la semaine prochaine. Ça sera donc sur du Alien. Et donc on fera, je pense, la semaine d'après ou dimanche soir, Resident Evil. Peut-être que demain soir aussi, il y aura un stream d'Alien. Donc voilà. Mais on finit d'abord Alien, parce que sinon, si je commence Resident Evil 2, je ne finirai jamais Alien. C'est mort. Je trouverai toutes les excuses du monde pour pas le finir. Il y a aussi Anthem à tester. Hein? Anthem à traiter. Anthem, non. Mais c'est si pas vous aimez les temps de chargement...
Les écrans de chargement, c'est très bien. Non, un thème définitivement non. Définitivement non. Ah, elle bouge, la cervelle. Elle est vivante. C'est pas sexy quand même, hein, putain. Ah bah c'est toi qui as voulu, hein, tu as voulu faire de la cervelle. Bah, je veux faire de la cervelle. C'est toi qui l'avais proposé de la cervelle ou c'était moi, je sais plus. C'est moi. Dès le départ, j'avais l'idée de la cervelle. Bah pour. Enfin, il a eu l'idée de la cervelle et en gros, j'ai eu l'idée de tout le reste. Voilà, plus ou moins. Ah, attendez, je vais juste. Des patates. Hein. Servissol tranquillement. Deux petits secondes, Mélou, j'envoie un message à quelqu'un. Vas-y, je te laisse faire. Du banc gras. Ça sent pas mal. Ouais, ça sent bon. Voilà. Est-ce que tu veux mixer le ketchup maintenant ou pas? Le temps que la cervelle mijote ou pas? Petit chou, comme tu veux. Ça peut le faire. On peut commencer à mixer? Allez, on commence à mixer. Est-ce que tu penses pouvoir le mettre là-dedans? Oui. Sans en foutre partout à côté. Je suis un grand garçon, je sais le faire. Bah, par contre, il nous faut un manche. Il nous faut un manche. Tiens, il y a un manche là-bas. Donc là, on va mixer le ketchup, puisqu'il a, je pense qu'il a un peu refroidi. Il est encore chaud. Hein. Donc, il va falloir mettre au frigo. Oui, c'est pas grave. Préparer les clips, ça peut être très drôle d'ici quelques minutes. En parlant de jeu, glacial. Coucou, mon cher glacial, j'espère que tu vas bien. Bonsoir. Barbie, moi, je suis désolé si tes liens sont supprimés. Passe-les à Sévie, Paul Tedge ou à Julie, à tous ceux qui sont là. Désolé. Ça va, ça vient une épaissie là, on est pas mal. On est bien. Je pense qu'on va avoir un putain de bon ketchup en vrai. Bah oui. Quelle application. C'est beau. Voilà, voilà. Je suis assez fier de notre ketchup, dis-toi. Sévi, on te donnera ça tout à l'heure. On fera, je pense qu'on mettra ça sur le chain recette ou quelque part sur le Discord. Ouais, je cuisine et gourmandise. Après, là, c'est une recette assez un peu adaptée. J'en ai pris quelques-unes sur Internet et j'ai fait un petit mix de plusieurs. Et après, l'assaisonnement, on a fait avec ce qu'on avait. Enfin, après, de toute façon, c'est la cuisine, quoi. Tu mets ce que tu veux dedans, quoi. Donc, voilà, on va bien voir ce que ça donne. Et t'as vu que la cervelle est un peu en train de blanchir. Ouais. Donc c'est le but, hein. L'objectif que de la cervelle blanchisse. Alors oui, c'est de la cervelle glaciale, c'est normal. Oui, c'est parce que mon cher glacial, c'est le concept de la chaîne, de ce stream, c'est Cook and Games, on fait des cuisines, on fait une recette de cuisine d'un jeu vidéo. Et l'objectif ce soir, c'était Resident Evil, donc évidemment on fait de la cervelle pour rappeler les zombies, tout ça. Alors, tout ça. Est-ce que tu veux mixer ou pas? Est-ce ouais. que tu as la confiance pour ouais, mixer? Ouais, je vais mixer. Alors. Ce que je te conseille, c'est éventuellement tu mets ta main comme ça après, histoire d'éviter que l'on foute partout. Voilà. Ta main. Mais non, t'as jamais mixé de la soupe ou pas? Oui, mais je te fais pas confiance. Bah, mec, j'ai jamais mixé de la soupe. Je suis désolé de te décevoir de pas faire de la merde. Tu déçois ton. T'es viewer. J'avais envie que je m'en mette plein la gueule. Non, bah désolé, je sais mixer de la soupe, voilà. C'est pas de la soupe, c'est du ketchup. Non mais, pas trop non plus, il y a un peu de texture, tu découpes juste s'il y a un peu de... S'il reste des morceaux, mais sinon après, voilà, faut quand même un peu de texture. Je pense qu'on est bon là. Alors, n'hésite pas à racler, histoire de récupérer un maximum. C'est une façon de racler effectivement assez... C'est t'arrête une technique. De critiquer ma façon de racler. Non, mais c'est un concept. Ouais, racler, c'est du méthode. Oui, c'est bon. Ouais, on va arrêter là. Tu peux. Alors, t'appuies sur le petit bouton, tu détaches le truc pour éviter de découper les doigts après. Ah, je ne l'ai jamais utilisé, mais je sais l'utiliser. Alors, moi, je l'ai découvert que ça existait depuis tout à l'heure. Enfin, qu'il avait depuis longtemps. Et je l'ai utilisé chez mes parents, tu vois, c'est ça qui est drôle. C'est que je ne l'utilisais pas chez moi, mais je l'utilise chez mes parents. D'accord. Évite de me balancer de la flotte aussi quand tu suis. Donc là, on est pas mal. Voilà. Les cuillères, tu les as foutues dans la vaisselle déjà? Oui, tu peux en reprendre. Elles sont là, je les ai dit celui-là. Ah, c'est bien, t'as pensé à en garder. Histoire qu'on goûte quand même. Donc le ketchup qui a l'air très sympa. Il est là, il est pas mal. Tu veux le ketchup? Ouais. Ah, le goût du ketchup. Ils sont pas mal. Tu sors le troisième cuillère, mon cher Tito, si je peux le faire.
Le ketchup qui est vraiment très très sympa. Il a l'air vraiment cool, le ketchup. Le ketchup a l'air sympa. Je l'ai dit déjà. Coucou mon cher Naïdem. Est-ce que j'ai dit déjà que le ketchup, il est sympa? Je l'ai dit ou pas? Oui, ah, plusieurs fois. Dit, ouais, beaucoup trop souvent. Ouais, je sais. Ma chérie, bah, viens goûter le ketchup si tu veux. Si tu restes derrière moi, on ne te voit pas. Tu peux... Ça va être compliqué pour servir. Tu peux poser ma chérie, le fleur, s'il te plaît. Arrête, pose le fleur parce qu'on va mettre de la merde. Celui. Mais quoi? Mais on ne te voit pas. Bah si. Mais non, on est tous les deux devant le miroir. Là. Personne ne te voit. Bah, la puce pépé. Pose le fleur. Donnez-moi une cuillère. Voilà, la vie de girafe. Attention. C'est bon, hein? Ketchup maison. C'est bon. C'est super bon. C'est super bon, hein? Ouais, c'est super bon. Bah voilà, je pense qu'elle aime bien. Notre ketchup maison est ouf. Je suis assez content. Il a un petit goût d'acidité, un petit goût de sucré, un petit peu de relevé. Tu pourrais presque le relever un peu plus, là. Bah, il est nickel. Il fait pas chimique du tout, c'est ça qui est bien. Il est... Là, je suis super fier de notre ketchup. Je l'ai déjà dit 50 fois, je sais, mais je suis fier. Tiens, vas-y. Rince un peu tout ça. Le saladier, on en aura pas pour mettre de l'eau froide pour. Par contre, là, faut que tu baisses un peu parce que là, c'est un. Vas-y, baisse. Que sinon, la cervelle va se débiter un peu dans tous les sens. Donc, on va éviter. Je mets de l'eau froide là-dedans. Le ketchup, c'est mission réussie. Mais est-ce que je le mets au frigo pour qu'il refroidisse? Ça peut être sympa. Tu peux. Donc, niveau cervelle, ça commence à prendre une belle coloration. Je pense que Exa va être très content d'enlever la peau. Je vais cliquer. Ça va être magnifique. Les patates, on est pas mal. Ça rissole bien. Ça le ketchup. Le ketchup est au frigo, mes loulous. Les patates sont prêtes, on va dire. Elles sont bien. Oui, bon, oui, on l'a. Là, nous allons parler de la partie la plus fun du truc. Alors, faut pas que tu oublies mon t-shirt toujours, parce que je devrais récupérer cette casserole pour faire les chromesquis de les boulettes de. Oui, pas de souci. Il faudra qu'on les mette ailleurs, les patates. Il n'y a pas grave. Il n'y a pas de souci. Tu aurais dû faire boire ta girafe pour pas qu'elle se promène avec son pot de fer. Oui, Barbuma, mais elle n'est pas non plus alcoolique. Hein, voilà. C'est la faute de la voisine qui amène bon, les fleurs. C'est sympa, je repasserai pour un prochain stream. Ça marche, mon cher le péremptoire. Des bisous aussi. J'espère que tu vas passer un moment. N'hésitez pas, mes loulous, à me faire des retours sur ce que vous avez pensé du stream à la fin. Sincèrement, c'est important. Je sais que c'est pas parfait. Je sais qu'il y a plein de points d'amélioration. Je sais pas, notamment le micro. Donc, merci à ta voisine pour ce beau bouquet. Tout à fait. Non, mais j'avoue que le bouquet, c'est hyper sympa, ça va. Vraiment, j'insiste fortement sur vos retours. C'est très, très important pour la suite du concept. Voilà. Je dis pas que tout ce que vous allez me dire, j'arriverai à le faire, mais au moins, j'aurai vos avis. Je la mets là-dedans, je mets... Oui. Enfin non, je vide l'eau et je mets la cervelle là-dedans. Dans l'eau froide, oui. Il n'y a plus de musique, c'est un problème. Attends. Oui. On va remettre de la musique parce qu'il n'y a plus de musique. Ou sinon, tu le prends avec ça, là. Non, oui, je le prends avec ça, t'inquiète. Oui, t'inquiète, t'inquiète. Ouais. Bah, je ne suis pas fou, mon cher Titouche. Hein. Il sait ce qu'il doit faire. Si, si, je suis pas lent, t'inquiète pas, hein, si je suis un peu décalé, mais je suis pas lent. De quoi? Plus il n'y a plus Titos, Nini, je suis. Vous voyez pas, c'est que je suis là quand même. Oui. Ne vous inquiétez pas. On est... surveille. J'ai envie de manger quand même. Attention au moment délicat de la chose. Elle est pas blanchie. Hein. Bah ça, de toute façon, faut l'enlever, hein, tous ces morceaux-là. Et donc maintenant, il faut enlever la peau. Ah. Ok, mais c'est quoi la peau? Bah, tu vas voir dessus. Au pire, sur un bord avec un couteau. Et en gros, tu l'épluches. Ça, j'enlève ça. C'est pas du tout ce que je dois enlever. Je sais pas ce que je dois faire. Ça, j'enlève ça. Oui. Toute cette partie-là, j'enlève. Oui, il y a du son, les trucs comme ça, faut enlever. C'est de la vraie cervelle. Ah, bah oui, c'est de la vraie cervelle. Hein. Oui. Putain, on dirait du chat. Alors, je vais vous dire. Là, tout de suite, ma première impression, c'est quoi? On dirait du chamallow. Beats. Beats. On ne te voit pas, ma chérie. Beats. Regarde la caméra, on ne te voit pas. Je cache Madame Girafe. Je vais prendre. On dirait que ma femme est en train de faire un reportage sur de la cervelle, quoi. Merci pour ta donation, mon cher Barbuma. C'est adorable. Très merci gentil Barbuma. À toi. Merci, mon loulou. C'est très gentil. Des gros bisous. Merci, merci beaucoup. Alors, la girafe va prendre une photo. Ma chérie, avec tes cheveux, on ne voit pas. C'est bon, je suis devant. Oh! Ça, on jette.
quand même beaucoup de choses, je trouve. Mets l'autre côté pour le moment. Oui, je pense que ça, tout ça, faut le balancer. Parce que j'ai jamais préparé de cervelle non plus, hein, donc c'est ça qui est très drôle. Alors là, en fait, donc la sensation que j'ai quand je l'ai dans la main, on dirait du chamallow. Vraiment, c'est une sensation de chamallow. Je déconne pas. Là, je présume que ça jarte. Ah, la peau, ça doit être ça. Sinon, tu vas avec un couteau. Tu grattes un peu. C'est la partie un peu technique du truc, là. Oui. Vrai. C'est la partie un peu technique de la chose, mes loulous. Ah oui, d'accord, il y a une peau. Oui. Elle est super fine. Ah bah oui. Ah, t'as voulu faire de la cervelle, maintenant t'assumes. Hein. Oh, comment t'enlèves ça, putain? Il y a du sang derrière, regarde. Le problème, c'est qu'il y a du sang sous la peau. Bah, ou tu veux le laisser un peu plus? Bah non, mais tu regardes là. Ouais. Alors, je sais pas si tu veux le laisser un peu plus dans l'eau. Je sais pas si tu ressens, c'est là, je t'avoue que... Bah normalement, c'est une fois que ça frémit, c'est 5 minutes, donc... On avait laissé 5 minutes là ou pas? Bah oui, je pense, oui. Il a laissé 5 minutes à votre avis ou pas? En fait, je vous explique, tu vois, regardez. Madame Loulou, entre... c'est génial. En fait, voyez, là, il y a la peau. Et quand j'enlève la peau, boum, il y a du sang qui apparaît. Vous voyez, il y a du sang qui apparaît là. C'est un peu bizarre, en fait. J'ai l'impression qu'elle n'est pas assez blanchie. Mais d'un autre côté, elle commence à... Bon, ça, je pense qu'il faut l'enlever, ça. Cette partie blanche, là. Oui, tout ce qui est un peu trop blanc et... Les sanguinolents, ça s'enlève. De moi, ça a l'air de s'enlever facilement, ça. Ah, ça, c'est dégueulasse, par contre. Alors, il y a Barbu qui dit que le sang, c'est normal. C'est logique. D'accord, Barbu. Sinon, tu veux que je change l'eau, peut-être, histoire d'avoir un truc un peu plus clair. Et surtout, j'aimerais bien, en fait, que tu t'en occupes. Je te jure. Non. Ah non, c'est toi qui as voulu la faire. Je J'ai peur de la défoncer. Mais c'est son stream. T'es sûr qu'il y a de la peau enlevée? Bah normalement oui. Enfin, c'est de la peau, c'est une petite membrane, c'est pas du saucisson. Hein. C'est relativement fin. Tiens, fais-le tremper un peu à l'eau froide, tranquillou là. Laisse-la reposer. Laisse-la. Enfin, oui, parce que là tu vois, ça se débite quand même pas mal. Donc, Là j'ai point d'interrogation là. Avec un scalpel, docteur Balan. Infirmière, changez-le s'il vous plaît, c'est exactement ça. Vas-y avec ta bite et ton couteau. Ouais, on va éviter parce qu'on veut manger aussi après quand même. On espère. Ouais, bah moi aussi j'espère, Nail. Merci. Ah, Titour, c'est l'expert pour la cuisine, mais après il a jamais fait de cervelle non plus de ça. Ah bah il a voulu en faire. Moi généralement c'est quand j'en mange c'est déjà préparé. Hein. Ouais, je pense sincèrement Titour, parce qu'il n'y a pas la même. Après, enlève ce qu'il y a enlevé, et au pire, après, on va découper les petits morceaux pour les faire paner. Non, là, t'en avais beaucoup trop. Oui, mais Loulou, regarde, attends. Bah, écoute, enlève ce qu'il y a enlevé. Attends, c'est pas que je veux pas le faire, oui. Juste dis-moi si pour toi, il y a une membrane à enlever. Je te jure que j'ai pas l'impression. Essaye. Et je le fais, je te jure que je le fais après. Je sais pas, j'ai pas l'impression, justement, vu que tu découpais, il y avait pas l'impression d'avoir le morceau. Je veux ton avis. D'expert. Il se dit, tiens, vas-y, toi aussi, tu vas en chier. Non, je fais le juste 2 minutes parce que là, j'ai vraiment l'impression. Que la chapelure est déjà préparée. Non, Julie, elle n'est pas préparée. Enfin, si, on a de la chapelure. Bah, si, on a un peu quand même, regarde. Il y a de la chapelure typiaque. Ça. Ouais. C'est ça, là, qui est fondé. C'est quoi? Oui, mais attends, mais. Oui, c'est hyper fin, je sais. On va mettre 10 ans à l'enlever, la truc, là. Ah, bah, écoute, je t'avais pas. T'as voulu en faire, hein. Putain. C'est ça qu'il faut enlever. Non, mais arrête. Oui, c'est ça qu'il faut enlever. T'es sérieux? Bah, oui. 10 ans faire ça. Ah bah écoute, t'as voulu. Et ça, si tu l'enlèves pas, c'est pas bon? Bah ça sera pas jojo, regarde, il faut que ça soit blanc dessous. C'est pour ça qu'il faut l'enlever. Waouh. Déjà, on va faire 2 morceaux. Qu'elle en prenne du temps avec la cervelle, il vous reste 40 minutes. Ouais, non, bah attendez les loulous, du calme. J'ai dit 20h, mais voilà, je savais pas. Hein. Non, Sévi, c'est pas de la chapelure maison, excusez-moi. Non, 20h30, c'est bon, Julie, c'est bon. Ça va être un peu relevé, effectivement. Ah, donc, quoi, tu vois, tu fais comme moi, quoi, t'enlèves du blanc, quoi.
Bah, si on veut aller assez vite, oui, ça va être le problème. Mais t'es sûr qu'il y avait un truc à enlever là? Regarde, là, ça part pas. Hein. Bah, quand j'ai acheté ici, donc, enfin, si. Après, t'as voulu faire ça, hein, maintenant t'assumes, hein. Bah, j'assume, oui, non, mais Resident Evil 2 zombie, quoi. Bon, cervelle, tu vois. On va faire des andouillettes, quoi. Ah ouais, bien kiffé les andouillettes. Ah, bah, il y en avait aussi. Tu kills un peu, ouais, tu kills un peu là. Attends, je vais te changer l'eau, Je vais le faire, je vais continuer. Ouais. Où le morceau là? Il est dedans. Je l'ai découpé en deux pour que ça soit plus simple. Moment galère du stream. Ce sont des choses qui arrivent, Lulu. Appelle. Ma chérie, ouais. T'as déjà fait de la cervelle ou pas? Quoi? T'as déjà fait de la cervelle ou pas? Jamais. C'est galère. Bah c'est hyper fin, donc effectivement c'est un peu... C'est relativement galère à faire. En fait, on enlève une membrane. Non, mais ma chérie, Simon, je te cache. Regarde. Non, mais tu sais, le miroir... Regarde, ma chérie, je suis devant le miroir. Devant la caméra, devant le miroir. Personne ne te verra. Mon amour, personne ne te verra, je suis devant le miroir. Est-ce que tu fais confiance à ton mari? Bah non. Tu as regardé? Hey, Rumu, hi, welcome to you. Tu peux dire annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, welcome. Qui? Tonight, it's a stream. Cooking stream. C'est qui? Pourquoi? C'est coréen? Yeah, c'est coréen, regarde. Je me dirais, si tu mets ta tête là, personne ne te verra. Enlève ton putain de faux pot de fleurs. Enlève-le. Ah, mais putain, tu fais ce que je veux. Ma chérie, personne ne te verra. Pourquoi tu ne me fais pas confiance? Parce que quand je regarde mon téléphone, regarde... Ma chérie, j'ai la tête. Ma tête est devant le miroir. Oui, alors? Bah, personne ne peut te voir. Putain, je fais ce que je veux. Ok, chef. Vas-y, dis-toi, je vais t'aider. Bon. Tu peux dire coucou à Niancio, au coréen, si tu veux. Non, faut faire dégorger la cervelle dans l'eau froide pendant une heure pour enlever la membrane et les filets de sang. Ah. C'est pas ce qu'il disait dans la recette, Julie, en fait. Ce que je viens de voir aussi, Julie, mais ils ont pas pris de la cervelle. On avait pris de la... En fait, on a acheté de la cervelle déjà préparée, Julie. Mais qui n'était pas vraiment. Pour éviter justement qu'on ait tous ces problèmes-là. Mais ça n'était pas vraiment. T'es sûr? En fait, c'est bon. Bah, vu à quoi ça ressemble, non. C'est pour ça qu'on galère un peu. Eh ben, merci de boucher, hein. On va la mettre en douce, là. Calme-toi. Ça aurait pas été drôle, sinon. Non, pas de fail, c'est pas drôle. Ouais, il est complètement défoncé. Mais ça, faut l'enlever, ça, en dessous. Je crois, je sais pas. Tu te démerdes, hein. Tu cherches. Mais coucou, mais hey, c'est toi le chef cuisinier, hein, pas moi. Hein. C'est toi qui as voulu en faire, t'assumes. Moi, j'ai fait le reste, moi, j'ai décidé du reste, sachez faire. Mais non, mais j'ai décidé, mais je me suis dit, Titours, il va savoir. C'est un bon Titours. Alors c'est vide, oui, elle est bien blanche comme il faut, après il faut enlever bah, tout ce qui est un peu noirci et tout, oui. Ça part tout seul, tu vois. Et si on l'enlève pas, qu'est-ce qui se passe concrètement? Bah ça sera peut-être pas très digeste. Ah mais le loquet. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour Charmins, bonsoir à toi. Nouveau stream. You are very good at Korean. Thank you. Kamsahamnida. Bon, j'avoue que là, c'est la partie galère du stream où je m'attendais pas à autant galérer pour enlever la membrane. De toute façon, après, on va les faire paner, ça se verra pas. On s'en fout, ouais. Voilà. En fait, je m'en tape, ouais, franchement. Bon, faut enlever tout ce qui est un peu noir, quoi, donc après, tu peux y aller petit à petit. Sinon, tu le fais dans l'eau. Tu poses le couteau dans l'eau, après, pour enlever tous les morceaux. Ah oui, mais le cerveau est en train de mourir, là, Coco. C'est pas grave, bah, on va les découper. Bon, faudrait quand même qu'il y ait des petits morceaux histoire qu'on puisse. Surtout, la paner. On va pas faire beaucoup de boulettes avec ça, hein. On va faire des petites boulettes. Ah bah oui. Hein. Non, mais on va faire des petites boulettes vraiment. Oui. Pour qu'il y en ait quelques-unes quand même, parce que sinon on va pas en avoir beaucoup. Oh, la train de faire, je suis en train de la perdre la cervelle. Bon, faut qu'on ait. Bah, ça va, je pense qu'on va pas les toucher plus. Vas-y.
Bah, tu la mets dans l'eau de l'autre et tu t'inverses. Attends, j'ai changé la face. Mais je pense qu'il faut l'enlever de l'eau surtout. Bon, la première partie, on va dire que c'est bon. Ah, mon cher Vin, c'est une honte. What kind of dish are you making? Okay, so the dish we made, actually, it's a new concept on the Twitch channel, if you want. What we do, it's we make a dish in relation with video games. Actually, it's a Resident Evil 2. So we make ketchup home ketchup, potatoes, and we make brain. Of veal. You make brain. Voilà. C'est du beau. Ah. Voilà, voilà. Bon, je vais parler en coréen. Comment tu dois? Viens un peu plus près, ma chérie. Parle plus fort. Ah bon? Oui. C'est bien ce que t'as fait, mais un peu plus fort. Comment tu dois? Voilà. Merci de m'appeler jeune homme, c'est très gentil. Donc la personne qui est avec moi, c'est Tite Ours. Ceux qui ne savent pas. Bonsoir. Un monsieur très très bien, très sympathique, qui a un Instagram très prolifique. Si vous aimez la bouffe et le thé, allez le voir. N'hésitez pas. Quelqu'un dans le chat peut mettre le lien de l'Instagram. Alors, je pense que les gens voient le pot de fleurs en reflet dans le miroir. D'accord. N'est-ce pas, Taolan? Peux-tu confirmer l'information? C'est pas gênant, ça, si? Ah bah non, je pense que ça les dérange pas, au contraire, ça les fait bien marrer. Je doute que le pot de fleurs, c'est la girafe ce soir. Si on m'avait dit que c'était aussi chiant à préparer, j'ai téléphoné à ma mère, je lui ai expliqué votre problème. Elle m'a dit que ça va être dégueulasse la façon dont vous avez cuisiné la cervelle. D'accord. Merci Barbuma, merci d'avoir appelé vraiment ta mère, c'est gentil. Franchement, le pot de fleurs, t'en peux plus. On a vu la girafe dans le miroir, je ne sais pas s'il faut le dire. Oui, on l'a vu, on sait, Vince. Ça me rassurait pas de les voir faire parce que j'ai jamais vu ma mère faire comme ça. Je suis en PS. Bah dis-nous comment faire alors, Barbuma. Je crois qu'on est niqué, mec. En vrai. On pourrait pas la faire sauter la cervelle. Ah si, on peut la faire griller après. On peut la faire sauter, je pense. Oui. En fait, je pense, mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la faire sauter. Et on va faire des boulettes avec de la cervelle sautée. Parce que de la cervelle comme ça, je pense que ça va être imbouffable. Ma chérie? Bah si, elle est blanche là. Donc la cervelle, ça se mange tu la manges blanche comme ça là? Là, si je te la donne, tu pourrais la manger comme ça là? Oui, mais tu sais, quand on cuit dans l'eau, on met des herbes, machin. Oui. Non, mais on va la faire griller après. Donc, d'accord, nous on va la faire un peu griller avant. Non, parce que si on la fait griller et qu'après pour faire les boulettes, ça va être compliqué. Ah bon? Ah non, mais ouais. Je pense. Bon, après, enfin, comme tu veux. Après, non, on va essayer de faire des boulettes quand même. Après, on peut tester aussi. Hein. Ah donc, toi, tu serais plus la laisser comme ça et faire des boulettes? Oui. Eh ben allez, on fait comme ça. Ou on peut faire griller un petit peu et après faire des boulettes. Comme tu le sens, c'est toi qui décides. Tu fais comme chez toi. Tu me prends pour un pro là, mais je suis pas un pro. Oui. Alors, une grande assiette ou un petit truc pour mettre les patates dedans? Ouais, deux secondes, j'ai rien. Bah, tu me dis où? Tu veux un saladier en métal, ça peut être pas mal. Ici là. Placard. Placard. En haut. Ouais. Je me galère avec ma cervelle, je vous imaginez même pas comment quoi. Je savais pas que c'était aussi chiant à préparer en vrai. Comme on dit chez nous, t'as pris, t'assumes. Ouais. C'est de la cervelle de veau. Oui. Mon cher Vince. Bah là, je sais, Tolan, mais faut la nettoyer quoi. Je pense qu'on est pas mal avec la petite tour. Ça va. Enfin, c'est toi qui vois tes dessus. Hein. Là, je pense qu'on est pas mal, mais. Hop là, les patates sur le sopalin parce que c'était un peu grassou. Ok, mais bon, n'oubliez pas, le gras, c'est la vie. On va dire que la cervelle, elle est dépiautée, c'est bon.
Qu'est-ce qu'ils disent les amis? Alors Sylvie dit que t'as enlevé le meilleur. Ah bah non, bah me dis pas ça, j'ai enlevé le truc qu'on doit enlever normalement. Dis pas ça. Ça on peut le dire aussi. Alors, on va sortir les dominos. Excuse-moi. Je vais changer l'eau. L'eau, t'as pas besoin de changer. Ok, donc notre cervelle, mes loulous, elle est là. Elle est en train de. Elle est en train de. Enfin, là, même, tu. Enfin, là, vire tout ça et mousse la plus sur en essuie histoire de la sécher un petit peu pour la découper. Ok, donc là, mes loulous, on va mettre la cervelle sur la planche à découper. On va la faire griller un tout petit peu. Tout petit peu. Non, je pense pas. Enfin, je sais pas, je pense pas que tu vas faire griller. Comme tu le sens. Comme t'as envie. Je ne sais pas. Bah, tu ferais quoi? Voter. Est-ce qu'on fait griller ou pas avant de mettre la chapelure? Dites tout dans le chat, mes loulous. Qu'est-ce que vous en pensez? Barbu. Alors, Sylvie dit qu'on fait qu'elle ferait griller elle. Elle a fait griller un peu, Sylvie? Elle a fait griller un peu, Sylvie? Oui. Ok. Mais est-ce que tu vas l'écouter? Bah, j'ai envie surtout que ça soit mangeable ce qu'on fait, donc je vais pas faire... Julie aussi, dites faites griller. Ok, ouais, ok. Écoutez. Aucune idée, merci. C'est un avis comme un autre. C'est un bon avis. On prend. Ok. Allez, la cervelle, c'est parti. La mer, farine et gris, je crois, je dis plus... Alors la farine, c'est ça, on va faire les... Ah bah c'est ce qu'on est faire, c'est nous. C'est ce qu'on va faire, mon cher. Le but, c'était qu'on découpe en petits morceaux. Et qu'on fasse des boulettes. Farine, œufs et panure. Et puis zou. Voilà. Les boulettes. Donc si on fait ça, est-ce qu'il y a besoin de la griller, justement? De là-bas, voilà. Donc, C'est ça la question. En fait, mes loulous, c'est est-ce qu'on les fait griller un peu pour que ça soit un peu meilleur et après on fait des panures avec, ou est-ce qu'on fait une panure tout de suite? Elles ont l'air vachement bien, tes patates. Attends, top les patates, putain. Parfait. Moi, j'ai rien voir. Quoi, j'ai jamais fait des patates aussi bonnes. Attention, c'est chaud. Les patates. Bien fondantes comme il faut, elles sont top. C'est super bon. Merci. Voilà. Elles sont au top, les patates. Ah, wesh. Bon, on peut la faire griller un la petit peu vite fait comme ça. Gris, je crois. Oui, non, mais voilà. Mais très très peu, hein, petit oursin. Très très peu, je pense qu'elles vont mourir, mais ça va être très vite. Oh la patate. J'ai plus rien grillé. Donc, on va faire comme on avait prévu. Hein. On va pas les faire griller. On va mettre la chapelure, on va les griller après. Hein. Ouais, je pense que c'est. Et oui, bah, c'est super bon. Ouais, les patates sont très bonnes. Vas-y, pose. Attends, prends un petit essuie. Qui est où? Il est là. Je le voyais plus. Histoire de l'éponger un petit peu. Les petits morceaux. Mais Lulu, j'espère que vous passez un bon moment, sincèrement. On s'est donné du mal avec Titour, franchement j'espère que vous passez un bon moment. Voilà. Et encore une fois, j'insiste, n'hésitez pas à me faire des retours sur le Discord pour me dire ce que vous trouvez de bien et pas bien, ce qui serait améliorable. Évidemment, il y a des choses améliorables. Bien, évidemment. Bon, laisse-le là en attendant. Donc, voilà. Un œuf ou deux œufs? On a dit combien? Ça, c'est pour tout le monde. Tu m'avais dit deux. Je vais faire deux. J'en casse un. Allez. Ici, là? Non, c'est pour faire la panure après. Donc. Vas-y, casse ton œuf. Non, vas-y, fais-le avant. Non, toi d'abord. Toi, le chef de cuisinier c'est d'abord. Bien. Toi d'abord. Alors. On passe toujours un moment avec la. Une main. Merci, mon cher. Voilà, le talent. Ah, j'ai pas vu, tu l'as fait une main? Bah, bien sûr que oui. Ouais, putain, je sais pas le faire une main. J'espérais que tu le fasses pas une main et que moi, que j'essaie à faire une main et que j'arrive. Tu l'as fait une main? Bien sûr que oui. Regarder le replay. Il a vraiment fait une main. Mais je vais foirer les mains, c'est sûr. Je vais me chier comme une merde. Non, mais tu veux que je t'explique comment faire une main? Vas-y. Ça, si. Bah, le fais pas. Je vais pas le faire. Si tu le prends, déjà, tu casses comme ça, tac-tac. Tu mets ton pouce et tu ouvres. Et tu pousses, c'est tout. Donc, je fais comme ça. Oui, parce qu'il faut pas casser sur le rebord, parce que sinon, s'il y a des morceaux qui tombent, ça donc, tombe je fais dedans. Comme ça, et après, donc, tu casses, tu tapes deux fois là. Je mets mon pouce là où c'est cassé et je pousse. Dans le creux, et tu l'aides, tu fais juste ça. Là où c'est cassé, je me mets oui, où c'est cassé. Tu mets dans le trou et tu pousses.
C'est tout. C'est pas compliqué. Non, c'est sûr, c'est pas compliqué quand on le fait tous les jours. Est-ce que tu veux le faire dans un autre bol pour paniquer celui-là? On n'est pas un œuf près. Voilà. Alors. Enfin, pas trop fort non plus, doucement. Tac, tac. Voilà, ça casse. Tu mets ton pouce. Oh, j'ai réussi. Bah, tu vois, c'est pas compliqué. Bon, après. Il y a un œuf qui se tient mieux que l'autre. Ouais, bon, ça va, c'est la première fois de ma vie que je vous laisse deviner lequel. Eh, GG quand même. Vas-y, maintenant tu touilles. Ah, j'adore touiller. Alors ça, mec, je suis hyper bon à touiller. Parce que pourquoi? Je peux touiller pendant 30 minutes, j'ai pas mal. Oui, mais on s'en fout, c'est juste un peu. Je suis vachement balèze pour touiller. Parce que je sais. Oui, je suis fier de toi. T'as un torchon pour essuyer le bouillon? Vas-y. Ouais, je suis bon à l'habillage. Bien joué, Jésus. Eh ouais, mais merci. Eh, on apprend des trucs dans ce stream. Hein. Ouais, vous pouvez m'appeler le touilleur. Vous pouvez faire le malin appel auprès de votre famille. Je suis le touilleur. Le touilleur professionnel. Qu'est-ce que tu crois, Coco? Ouais, Jacques. Je peux te touiller encore plus tard pendant 32 minutes, hein, tranquille. Hein. Je te fais des blarnèges, moi, si tu veux. Hein. Pas de soucis. Hein. Donc, là, on peut faire rire. C'est le skill, ça, tu comprends? Le mec, il avait jamais fait de sa vie. Pourquoi il a fait quoi? Il est tout fou, là. Non, non, c'est ma femme me fait mixer, me fait touiller à chaque fois qu'il y a un truc à touiller. Je parlais des œufs. Ah, des œufs. Bah oui, je suis content, j'ai réussi un truc. Ma chérie, je sais casser des œufs avec une main maintenant. Très utile. Ah, vas-y. Il lâche plus loin. Tu m'as fait ouvrir parce que tu sais qu'il y a une chance que je merde et que ça foire. Avec bah, justement, c'est ça qui peut être drôle. Je pense au public. Et bah, j'ai pas raté. Là, on mettra un peu plus chaud après histoire que ça grille bien. Ok. Maintenant, on met un petit peu là-dedans. Voilà. On va rajouter du paprika fumé. Un peu plus ou pas? Oui, un peu plus quand même. Enfin, pas trop. C'est bon, ça devrait aller. Au pire, on en rajoutera après. Tiens, sens-moi ça. Oh, ta gueule! Ça sent bon! Bah, bien sûr. Donc là, nous avons du smoked paprika. Paprika fumé de chez Marc Spencer, qui font pas mal de petites épices très sympathiques. Très très bon. Coucou mon cher Alaoujan, j'espère que tu vas bien. Un petit peu de goût. Nouveau concept sur la chaîne ce soir. Stream cuisine. Point d'exclamation, Cook and Games pour comprendre ce qu'on fait mon cher Alaoujan. J'espère que tu vas bien, merci d'être parmi nous. Je t'ai fait des bisous. Et je remange une petite patate parce que, bordel... Alors, Vince, ça existe à Paris, Marc & Spencer, mais hors de Paris, je peux pas, je peux rien confirmer. Donc, je peux le laver, ça, disons ça. Oui. Farine, œuf, chapelure. On fait d'une petite boulette, hein, je pense. Petite. Bah écoute, tu vas découper. Je vais découper, tu commenceras les boulettes et puis je ferai un peu de vaisselle, d'accord? Bah après, enfin, on coupe tout, on met le truc. Ouais. Je coupe les. Bah, tu fais les petits morceaux déjà, et après, on envoie. Mon amour, on a une bouteille de blanc ou pas encore? C'est beau. Hop, la découpe, ça va pas se faire tout seul. Santé à vous. Bah, attends, ça va, on est bien, il est 20h05, on est pas trop. On est à la bombe ou on est pas trop à la bourre? Pour un premier stream, on est bien. Mais pendant que ça cuit, là, vas-y. Ça va être du dégueulasse. Il a pas envie de découper. Coucou mon cher du Hora, j'espère que tu vas bien. Cook and Game, nouveau concept sur la chaîne. On fait un stream cuisine en fonction d'un jeu vidéo. On fait de la cervelle et on va faire des boulettes de cervelle. La cervelle, elle est là. Voilà, voilà. Et encore une fois, je sais, j'arrête pas de le répéter, mais j'espère sincèrement que vous passez un bon moment. C'est le plus important. Ok. On va mettre un peu de soif dans l'air. Moi, j'ai plus aussi. Ok, alors attends, faut couper des morceaux mais qu'ils soient pas trop petits mais pas trop gros. Oui. C'est l'objectif. Hop là. Fais quoi alors? Alors, tu mets c'est quoi d'abord? C'est quoi la règle? Bah, farine, œuf et. Non, mais découpe les morceaux et après on fera. Pas mal ça. C'est quoi le vin blanc que tu prends? Alors, la bouteille. Où est-elle? Elle est plus là. Et ça fait de la bouteille. Elle est là.
je galère avec la cervelle, les amis. Le vin, c'est ça. Faire des petites boulettes. Hein. Aux Côtes du Rhône. Très sympathique. Je vous le dis, mais on va faire des petites boulettes. Hein. On va pas faire des grosses boulettes. Hein. Le vin blanc est très très bon. La boutique, ça s'appelle la Vigne au Vert, dans le 17e. C'est Titours qui nous a choisi le vin blanc, et merci Titours. Ils bossent directement avec les producteurs, vous leur demandez c'est quoi ça, limite ils vont vous donner le prénom du producteur, le nom de son chien, la classe de leur gamin. Et je n'ai jamais été déçu, et Sophie, si t'es encore là, c'est de là que vient la bouteille spéciale Forêt Noire. Oui, donc si vous leur dites, j'aimerais bien avoir une bouteille qui va bien avec ça, ça passe très bien. Sachant que là, la bouteille, c'était pour aller avec l'apéritif avant, c'est pas forcément pour aller avec ce qu'on fait maintenant. Ouais, gros. Attention, double trempage à un endroit pour la panure croquante. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Sévi? Double trempage à un endroit pour la panure. Ouais, quoi, on peut dire qu'on vient de ta part pour une réduction. Tu peux essayer, je ne suis pas sûr que ça marche. Ben oui, Barbuma, c'est bien, 26 viewers, mais je suis... Moi, le... Enfin, oui, c'est bien, mais le principal, c'est que vous passez un moment, Barbuma, vraiment. Ok, Lulu, regarde. J'ai fait des petites boulettes, c'est pas mal, là. Pas mal, voilà. C'est pas mal. Bon, il y en a des plus petites que d'autres. C'est pas grave. Donc, on va commencer, c'est parti, let's go. Farine, œuf, chapelure. J'ai jamais fait des boulettes de ma vie, farine. Je trempe dans la farine. Oui, pour maner, il faut tremper deux fois. Non, regarde-moi ! Il faut tremper deux fois dans quoi, Sylvie ? Il faut refaire le truc deux fois. Œuf ? Oui. On a fait farine, l'œuf, enfin voilà, chapelure. Après, il faut faire ça une deuxième fois, Sylvie, c'est ça que tu es en train de nous dire. C'est ça qu'elle dit, Sylvie, ou pas? Je ne sais pas. Parce que là, on est déjà pas mal, je sais pas s'il y a. Sylvie. Merci pour ton follow, mon cher Loana. J'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le chat et sur la chaîne. Ce soir, on lance un nouveau concept qui est le stream Cook and Games. Cook and Games, tout simplement. On fait une cuisine, on fait une recette de cuisine en fonction d'un jeu vidéo. Là, nous faisons des boulettes de cervelle. Bon, là, ça va être sympa. On est pas mal là déjà. Je le fais deux fois, j'aime mais bien. Mais tu fais quoi deux fois? Elle le fait deux fois, elle fait deux fois le tour. Voilà. D'accord. Ah, tu remets dans l'œuf et tu remets de la panure. On peut essayer pour faire pour que ça fasse double panure. Allez, non, œuf, pas farine. Œuf et panure encore. Voilà. Écoutez, on vous fait confiance. On verra si on a raison. Par contre, on va augmenter un petit peu histoire que. Oui, il faut que tu mettes à 8 là au moins. Ça prenne bien. 7. C'est bien. Oui, attends. Bah, c'est juste. Tu vois, on sentira moins le goût de la cervelle. Je pense, d'ailleurs, on va en remettre de la panure. Ok, Thomas. Je pense qu'on va être un peu léger. Ça s'appelle, c'est vite, ça s'appelle panure à l'anglaise. Ok. Mais écoute. Il n'y a plus de tablier. Mais moi, j'ai plus de tablier. J'ai jamais eu de tablier. Mais il a son. Mais j'ai mon suite que ma femme m'a ramené de Corée il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quoi, il y a quelques jours, puisque j'avais le noir et maintenant j'ai le rose. Je suis très heureux et j'espère avoir toutes les couleurs. Parce qu'en plus, si vous voulez, c'est le destin parce que le jour où j'ai acheté ça, j'utilise le même background que j'utilise pour faire la banane. Donc c'est le destin. Je peux le mettre là? On va peut-être le mettre dans une assiette et le faire tout en même temps. Ok, je t'as raison. Ça sera peut-être plus simple. L'assiette, là. Prends la noire, elle est plate. Bien, tu poses dessus et après on met tout petit à petit. Ikea, si tu veux nous sponsoriser, fais-toi plaisir. Ikea. Si tu veux qu'on vienne cuisiner dans ta nouvelle boutique à Madeleine bientôt, pas de soucis. Bah, bientôt. On va d'ailleurs y aller avec ma femme parce qu'on a hâte que ça ouvre et ça va être vachement bien. Voilà, on a une boulette de prête. Non, la panure, on a un petit bout fumé, c'est bien, parfait. On a limite autant sur tes doigts qu'à côté. Les mecs, c'est la première fois que je fais une. Donc me juge pas. Première fois que je fais des boulettes. Je te juge pas. Bon. J'ai beaucoup de placements de produits et de boutiques ce soir. Effectivement, oui. C'est fait exprès. Alors en fait, Vince, l'idée c'était qu'à la base on fasse un jingle genre placement de produits. Monsieur Batman, fasse un si tu nous suis. Mais bon, voilà, on n'a pas eu le temps. Donc du coup, si tu veux, on... Quoi, je t'en prie, j'en mets trop sur mes doigts, c'est ça? Non, disons qu'on a plus sur tes doigts que sur la cervelle, mais c'est pas grave. Tout va bien.
Est-ce que vous arriverez à différencier la cervelle en fait, et ses doigts? Je ne suis pas sûr. On va pas paner la cervelle, alors, là, on va paner mes doigts. Alors monte tes doigts, mais sans. Alors monte tes doigts plus haut. Je l'ai fait. Là, c'est juste ses doigts, mais il n'y a pas de cervelle là. Tu pourras mettre tes doigts dedans après si tu veux. Par contre, on va descendre un petit peu en attendant parce qu'on va y faire cuire, même si c'est de l'huile d'olive, que ça tient quand même un minimum la chaleur. Je le fais deux fois là ou pas? On le fait deux fois à chaque fois? Bah oui, comme tu veux, tu peux. Moi, je suis sévère. Il y a déjà eu une catastrophe. Non. Ça va. C'est parce que je suis à côté, il fait attention. Là. Je sais pas quoi. Il sent le regard accusateur. Surtout que je vais la mettre en VOD sur YouTube si Twitch enregistre bien. Je veux pas de. Est-ce que tu veux que je te remplace, que je le refasse un petit peu? J'ai peur qu'on ait pas assez de panure sinon. Ah oui, quand même. La vache! J'ai plus de panure sur mes doigts que. Ah oui, d'accord, oui, ah oui. Quoi? Tu peux pas m'expliquer ça, connard! Hein? Bah écoute. Tu vas me dire, fais comme ça c'était vraiment pas mettre plein les doigts! Non, mais c'est. Écoute, tu fais comme du leçon, c'est une technique aussi. Je ne te juge pas. Le mec, il garde ses techniques que pour lui, genre en mode, vas-y, rien à foutre. Ça, vous voyez, ça, c'est pas du partage, ça. Ça, c'est de l'égoïsme. Non, ça, c'est juste. Le mec, il fait ça. Je pense aux viewers. Pour sa source. Ils sont là pour rigoler aussi. Ils ont envie de rire. Ils veulent te voir fail. S'il allume le four, il y aura. Oui, ah oui, alors, c'est vivement. Oui, oui, il y aura. Si j'allume le four, je brûle la cuisine. Mais bon, tu regarderas le replay, tu comprendras. Pas de cervelle. Ah, ça va, Vin, ça va. Voilà. Bah, Sévi, mon gars, oui. Mais quand tu voilà la différence. Quand tu ne le sais pas, Sévi. Quand tu ne le sais pas, quand on te dit pas, oui, bah tu touches pas le truc, tu le mets dans le machin et tu tournes. Tu le sais pas. Au bout d'un moment, faut qu'on t'apprenne un petit peu. Bah, il y a qui réfléchissent et il y a les autres. Je savais pas. Pour un moment que je le fais. C'est la première fois qu'il cuisine ouais, depuis longtemps. Bientôt, là, faut qu'on finisse de faire toute la panure. On dit putain. Ils sont en train de se disloquer. Attends, je montre à Camélia, à la girafe. Tu vois, on est en train de faire les boulettes, les panures de cervelle. Oh, ça a l'air trop bon. Et ça va être bon. Putain. Hop. Et après, on va les faire revenir, quoi. Voilà. Donc les patates sont prêtes, le ketchup au frigo est prêt. Puis bah après, on va manger ça. Oh la vache. Tu vas te régaler, je pense. Ah ouais. Comment rendre sa femme heureuse? C'est simple. Faites de la cervelle. Demandez à un ami de venir cuisiner. C'est ça. Ah bah ça va, c'est bon. Merci. Oh, hey, oh. Et elle confirme. Oh, hein? Un ami qui vient cuisiner avec une bouteille de vin. Avec une bouteille de vin. Avec une bonne bouteille de vin. Moi, j'essaye de proposer des concepts nouveaux sur la chaîne, voilà, machin. Et au final, on dit que, hein, bon, je sers à rien. Merde. Bah, c'est un peu le concept de ta chaîne. Tu sors. Tu mangeras pas ce soir. Je te ramène pas. Voilà. Oh, les patates. Moi, je vais dormir ici. Le mec, il s'en fout, c'est bon. Pas grave. J'irai cuisiner chez vous. Appelez Titour s'il vient cuisiner chez vous en exclusivité. Par contre, il faut faire un stream. Voilà, il cuisine que en stream. Non. Alors, si vous avez un four qui marche, c'est encore mieux parce que je préfère faire de la pâtisserie. Alors, Nosfell, déjà, je t'emmerde. Et non, ça fait très longtemps que j'ai pas été chez le coiffeur. Effectivement, j'ai plein de cheveux. Voilà. Mais je mets une casquette ce soir parce que Titour se met une casquette et vu que c'est notre Batman à nous. Hein, monte ta casquette, voilà. C'est notre Batman à nous. Voilà. Ça irait plus vite à deux. Pas faux, Sévi. Mais le problème, c'est que je peux pas secouer deux trucs en même temps. Bah sinon, il faudrait faire deux trucs. Oh, non. Alors, je vais essayer. Attends, je vais essayer. Vas-y. Est-ce que tu veux que je rajoute un peu de farine? Non, ça va. Viens à la maison Titour, c'est de quoi faire. Y a de quoi faire. C'est-à-dire, précise ta pensée, Nosfell. On cuisine. Mais encore, tu as des choses à préparer? Tu veux que je prépare quelque chose en particulier? Ah, Titours, on t'a pas dit. Ils m'ont pas dit. J'ai oublié de lui dire. T'as un gage ce soir? Je t'ai pas dit. J'ai oublié de te dire. Je suis désolé, j'ai... Alors? Parce qu'on était dans la pression de la préparation et je... Non, et je lui ai pas dit. J'ai oublié qu'il y a un gage pour Titour. Vas-y, je t'écoute. Oui, parce que chaque invité a le droit à un gage. Jeff Orion le sait, Sophie le sait. Non, je déconne, il n'y a pas un gage. Là, par contre, il y a un truc que t'aimes bien. Il y a
un truc que j'aime bien. Je te le montrerai. Peggy 18. Moi, je veux que tu viennes pour mon anniversaire me faire un bon et beau gâteau. Bah écoute, c'est quand? Oui, parce que Titour, c'est cuisine très bien. Moi, comme je le dis souvent, je suis là où on m'invite. Je vais chercher le truc. Alors sinon, après, tu as le droit de... Ah oui. De faire un peu, voilà, de remettre un peu de texture. Enfin, de... Voilà, de faire des chose. Boulettes. Voilà. Soit que ça... Voilà. Soit que ça tienne un peu plus. Parce que vous a parlé, parce que en fait, si vous voulez, je fous, ah, je fous pas rien. Ça va. Fleuple, on l'a fait deux fois parce que Sylvie nous a dit pailleur anglais. Alors, mon anniversaire, c'est le 12 août, donc on peut faire un truc comment? On panne deux fois, mais c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je viens de faire, j'ai panné deux fois. Mais en fait, ce que vous savez pas, c'est que Titours, il adore la pâtisserie, c'est vraiment quelque chose dont il est fan. Et en fait. Non. Pas tant que ça. Il est parti dehors, là, il est sur son balcon, je ne sais pas ce qu'il fait. Et donc ce soir en dessert, notre cher Titours... Oh, du Kevin Lacotte. Il aura le droit à du Kevin Lacotte. Ah, qu'est-ce qui c'est Kevin Lacotte? Alors, Kevin Lacotte, il n'est pas très connu. Je te laisse parler. C'est un... Putain, c'est un... de pâtissier de ouf. Voilà, qui fait des trucs excellents. Son Cara Damia, c'est une petite tarte. Noix de macabre Damia caramel. Enfin, il fait des trucs super bons. C'est relativement... accessible. C'est accessible, c'est pas très enfin, pour des pâtisseries, c'est ouais. Pas, c'est pas du CD Grelais. Voilà, c'est pas dément en termes de prix. Et il fait des choses super bonnes. Et il est très sympathique aussi. Notamment un flan, une part de flan. Je sais que ça paraît basique, une part de flan, mais je vous jure que sur sa petite part de flan, oh là là. Ah bah c'est une tuerie. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Enfin, le Cara Damia qui est excessivement bon. Il fait des petits cannelés qui sont très très bons aussi. Alors mon cher Barbuma. Il n'a pas le droit au pain perdu. Je n'ai pas eu encore le temps de l'emmener en pain perdu, mais on en a rediscuté ensemble. Je vais l'emmener. Et surtout, ce que tu ne sais pas, c'est que ma femme, l'autre jour, elle était... J'ai foutu. Elle était chez Pain de Mi-Carré, donc le fameux endroit où on mange du pain perdu. Du pain de Mi-Carré. Chez Pain de Mi-Carré. Ça s'appelle Pain de Mi-Carré. Elle m'a ramené un pain japonais. Voilà, il est là. C'est un pain japonais. Et je vous jure, j'en ai mangé ce matin au petit déjeuner, mais c'est une tuerie absolue. C'est bon, c'est comme du pain de mie, mais... Il m'a pas fait goûter. Hein. Non, je t'ai pas encore fait goûter ça, mais je te ferai goûter en dessert. C'est oui. Comme du pain de mie, mais c'est... Pain de mie carré, si vous, un jour vous venez sur Paris, vous voulez vous faire un petit kiff, c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment extrêmement bon. Pain de mie carré. Si vous cherchez un truc spécifique en pâtisserie ou en gâteau, vous me demandez. J'ai des adresses pour à peu près tout. N'hésitez pas. Le flan, c'est la vie. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je mange pas de pâtisserie. Quoi, Nosfell? Alors pour les fans de flan, vous pouvez demander sur Instagram à Fulgur au pain, qui est un pseudo très sympathique, qui est un gros fan de pâtisserie aussi et qui teste à peu près tous les flans de Paris. Tu t'en sors mon cher Tito. Et qui fait lui-même ses classements. Et je pense que ça sera quelque chose de un peu plus sûr que toutes les que tous les Instagrammeurs achetés et vendus aux marques pour un briquet. On ne vise personne évidemment. Ah tu t'en sors mon cher Tito, ce quoi? Ah bon, on vise à peu près tout le monde là, j'ai envie de te dire, il y en a tellement, bon, c'est assez compliqué à suivre. Enfin, est-ce que tu t'en sors? Ça va, ça va. Tu veux que je te remplace? Oh putain, oh putain, 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 putain. Il veut la chapelure par terre, là, il sent qu'il va être en PLS. Oh putain! Il va être obligé de shampooiner le tapis. Ah non, là, ça va pas, on en fout pas partout hein, quand on cuisine, hein, on fait attention, hein, merde. Bah, j'ai envie de te dire, c'est peut-être toi qu'on a foutu partout. Hein. Qu'est-ce que t'en sais? C'est pas. Bah parce que je sais ce que je fais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok Melulu, donc là si vous voulez, c'est quoi le nom du magasin du flan de ce soir? C'est KL, tu t'as pâtisserie KL. K ah, comme la lettre K. C'est Kevin L. Lacotte. Ou la Kevin Lacotte, mais tu t'as pâtisserie KL Paris. Tu parce que KL aussi, t'as aussi caramel avec un K. Mais si elle tape KL attachée, oui. ça tombe forcément sur le KL. Il faut mieux préciser Kevin Lacotte qui est dans le 17e à métro Wagram. Non, c'est l'autre. Non, c'est à côté de Wagram, si. Oui, c'est métro Wagram, quand vous sortez, c'est pas très loin. Voilà, merci Sylvie pour le lien. Merci Sylvie, mon gars. Et donc, ils font des choses très sympas. Ils ont un petit salon où vous pouvez manger sur place. Ils vous font un petit millefeuille minute. Ouais. Et donc, ils vous aussi... le dressent sur place. Ils font aussi des churros. Voilà. En gros, les petites sauces chocolat et tout qui vous prépare sur place parce que vous avez le laboratoire qui est dans la boutique.
Donc oui, en fait, vous voyez... Donc, c'est un laboratoire ouvert avec une sorte de véranda vitrée. Quand vous rentrez dans, dans la boutique, vous voyez la cuisine. Et en fait, les churros ne sont mangeables que sur place. Vous ne pouvez, pouvez pas les prendre à emporter. Si vous le demandez gentiment, vous pouvez l'emporter. Mais bon, vu qu'il est dressé minute, le mieux, c'est quand même de le manger sur place. Mais non, mais là, t'as un millefeuille, moi, chouchou. Oh, bien. Bah, il était au frais. Bah, tu l'as remis au frais après ? Non, je l'ai laissé dehors. Donc okay, la température. Et sachant qu'ils font des tablettes de chocolat depuis pas longtemps, j'ai vu leur post sur Instagram ou leur story Instagram tout à l'heure. Bien, vas-y, continue les boulettes. Ça roule. La bonbon, la boulette. Donc, vous avez aussi donc caramel avec un K qui fait des choses assez exceptionnelles, dont la carole qui est une brioche avec un insert au caramel. C'est un truc de fifou. Si vous descendez dans le fil Instagram de Titours TIT0URS, je fais ma promo, j'en profite, vous le verrez à un moment. Quelqu'un a balancé le lien de Titours dans le chat, s'il vous plaît, ce serait bien. Et c'est un truc de fou. Donc ils sont spécialisés dans le caramel, ils font du chocolat au caramel, ils font plein de trucs au caramel. Leurs cookies, pareil, c'est complètement indécent quand vous voyez à quoi ça ressemble. Il faudrait un peu de chapelure, mon cher Titours, s'il te plaît. Bah écoute, je vais te recharger en chapelure. Bon, mais ça prend un peu de temps de faire les boulettes, je suis désolé. Ça fait partie de la cuisine, hein, du stream cuisine, évidemment. Après, ça aurait été des boulettes de viande, ça aurait été un peu plus pratique à faire. Mais attends, je suis pas fini. Ouais, dépêche-toi parce que là, ça part en sucette. Assaisonnement, ça part. Ouais, ça va. Hein. Ne pas négliger l'assaisonnement, voyons. Là, on est sur le moment de la recette où on prépare les boulettes, après on les fera cuire, et puis bah, après on les dégustera, évidemment. C'est caramel avec un K, c'est vie. Et donc le truc, ça s'appelle la carole avec un K. Et donc c'est une brioche avec un insert caramel à l'intérieur. Et c'est un truc de dingue. C'est dans mon top 3 ou top 5 viennoiserie sur Paris. Ah oui, le lien vers mon Insta aussi, Insta en promo. Vas-y, permets-toi. Si vous voulez voir du sucre et du thé. Gras. C'est bon. Insta promo, exactement, j'en profite. Oui, non mais attendez, il est avec moi, il m'offre son aide, je lui ai proposé le concept, ça l'a intéressé. Voilà, normal. Les ketchup, ils sont bons. Hein ? Les ketchup sont bons. Oui. Alors, faudra qu'on fasse un petit dressage après. Oui. Enfin, c'est bon. Sur l'assiette blanche, je pense que c'est bien. Bon, l'assiette noire, non, ça ressemble. Ah, c'est bien, si tu préfères. Et à la fin, donc, le stream se terminera par un dressage. Qu'on mettra entrée de vinaigre balsamique par-dessus? Non, parce que ça fait chier tout le monde. Et si vous avez un resto qui continue à faire ça, n'y allez pas. Désolé pour ceux qui le font encore. Ça fait 4 boulettes chacun, c'est bien. Oui, à peu près. Bon, un peu plus. 2, 3, 4. On peut en faire encore quelques-unes. Ce qu'on dit pas, c'est qu'on va à la pizzeria après. On va pas manger ça. On commande chez Blind. Par contre, on est à court d'œufs, mon cher Titours. Ah, tu veux que j'en refasse un? Ou pour ce qui reste, comme tu le sens. Je sais pas. Est-ce que tu vas en refaire un Non, ça peut être pas mal. À une main. Allez, deuxième tentative. À une main. Il y a moyen que tu le loupes celui-là. Il y en a un qui est déjà pété. Quoi? Sérieux? Ouais, bah, vas-y, Allez, ça, faut pas le manger celui-là. Je le laisse dedans. On est pris un petit. Merci Durara. Hop, pas besoin d'une deuxième assiette Durara, c'est magique. J'aime bien. Est-ce que vous voyez la différence entre les boulettes de Titours et mes boulettes? Ben, il y a la technique et il y a le. Et il y a cette personne. C'est un peu plus vite, évidemment. C'est un peu moins. On voit un doggy bag. Alors le temps que ça arrive, je ne suis pas sûr de la conservation des aliments. Désolé Nosfell. Le seul truc que j'ai vraiment envoyé par la poste en termes de bouffe, c'est du pain d'épices. Allez, attention! Enfin, ouvrir un avènement. Te brûle pas non plus. On a eu le fail. Alors, voilà pourquoi faut faire attention de taper à côté. Par contre, on a bien eu les morceaux de coquille. Hein. Je savais que c'était la bonne idée de lui demander de le faire. J'étais sûr qu'il pouvait le louper. N'oubliez pas le clip.
Voilà, voilà, voilà. Alors attends, on va racler tout ça parce que bon, la coquille dedans, ça va être un peu dégueulasse. Fallait bien qu'il fasse un gros fade quand même parce que c'est un peu sa marque de fabrique. Ça veut dire que j'ai pas fait exprès, évidemment. Hein. Non. Ah bah là, vu comment tu partais, là, t'étais au-dessus du truc qui était là-bas, là, je le sentais mal. Là, je. J'aime pas gâcher de la nourriture, c'est pas bien. Ben, applique-toi. C'est pas plus compliqué que ça. Allez, je vous en prie. C'était gratuit, c'était offert. Alors, Sinosphel, nous, on préfère ça à plat, parce que ça évite. Parce que si tu le tapes sur le rebord, justement, s'il y a des morceaux qui tombent, ça peut tomber directement dedans. Enfin, le but, c'est pas de le péter complètement à plat, c'est de le craqueler, et après, avec le pouce, tu l'ouvres vraiment. Attends, je vais mettre un autre torchon, parce que celui-là, il est vraiment, vraiment, vraiment. Ah, le clip The Fail. Merci, merci Sévi. Merci Sévi pour le clip. Je me disais, Sévi ne dit rien, elle est en train de louper le truc. Non, clip, ben non. Clip. Moi je te laisse continuer. Ah, tu veux ? Attends, je vais refaire un œuf. Oui, tu veux que je le fasse peut-être ? Non, je vais faire. Vas-y. Voilà. Je vais mettre en espace déjà, histoire que tu puisses faire ça correctement. Ouais, voilà. Là, tu seras à côté. Concentration. Désolé, je suis désolé, Mélo, je lis pas le chat, ça m'emmerde vraiment de pas pouvoir vous lire comme d'habitude. Mais c'est bon, je les lis, t'inquiète pas, désolé. Je m'en occupe. Préparez-vous. Bon, c'est pas encore ça, mais c'est mieux. Il y a du mieux. Je suis vraiment mon feignant, tu sais, je me rajoute un morceau. Là, le mec, tu sens qu'il a peur, là. Il y va doucement. C'est vrai, il n'y a pas l'air d'avoir de coquille. Non, il n'y a pas de coquille. Il n'y aura pas de croustillant mystère. Allez. Une douzaine fourchette, s'il te plaît. T'as, on a réussi. Il est bientôt 20h30, donc la dernière partie de le stream va commencer. On va commencer à faire les boulettes. Puis après, on fera un dressage et on vendra. Oui, j'adore touiller. Oui, enfin, vas-y, dépêche-toi quand même aussi, là. On en a pas. Je touille. J'adore touiller. Ça va, vous? J'ai plus de vin, c'est dommage. Okay. Hein, ça va? Bien? Tranquille? Je peux le dire? Ça fait du bruit là quand même? Ouais, je sais. T'es en train de péter les oreilles à tout le monde. On n'oublie pas l'assaisonnement. Il est en train de faire un ASMR là. Hein. Alors tu sais quoi, Loulou? Je vais te laisser finir, je vais faire un peu de vaisselle. Je t'en prie, c'est ta passion. Vas-y, je vais faire beaucoup de vaisselle qui s'accumule. Et la vaisselle qui s'accumule, c'est mal. Parce que quand la vaisselle s'accumule. Ça veut dire que vendre. Que dans votre tête, ce n'est pas bien rangé. Voilà. Et après, c'est surtout qu'après, c'est chiant. Gloire à celui qui a inventé le lave-vaisselle, évidemment. Évidemment. Les fignons du monde le remercient. Si toi aussi, tu as un lave-vaisselle chez toi, fais un plus un dans le chat. Si tu n'en as pas. Putain, mais c'est pas encore prêt. J'ai eu le temps de manger la blanquette de veau de ma femme. Oui, visiblement, les Chinoises savent faire la blanquette de veau. Ouais. Durant... T'as une chine. Bon, elle n'a pas eu le temps de le préparer. Hein. On est sur la fin, Titour. Buranguet, pardon. On est sur la partie boulette. On fait les boulettes de cervelle et après, on va les faire cuire. On va les faire revenir. J'ai une femme, ça compte? Un manque de respect absolu ce que tu vas te faire. Bon, j'espère que vous passez un bon moment, mes loulous. Le stream aura duré un peu plus longtemps que prévu, mais DroX m'avait prévenu. Il m'avait dit non, tu sais, ça va durer plus longtemps que ce que tu as prévu. Parce qu'il fait des streams cuisine. Il en a déjà fait, DroX. D'accord, je ne savais pas. Parmi toutes les personnes que je connais qui fait des streams, DroX est le seul qui a fait des streams cuisine, puisqu'il a fait un stream Saint-Valentin, il a fait un stream. Il a fait une fontaine de chocolat, il a mangé des bananes. Oh merde. Il a fabriqué une fontaine en chocolat. Pardon. Réflexe. Désolé, on n'a rien vu. Vous n'avez rien vu. Et d'accord, vous ne clipez pas, s'il vous plaît. Et vous ne clipez pas. Merci. Boulette. Non, pas de clip. Non, le clip sera supprimé. Et les bodos vont peut-être vous théo aussi. Vous n'avez. J'ai fait des boulettes asiatiques avec des légumes sautés et noix de cajou. Ah, cool, ma chère Sévis, ça doit être bon, ça. Vous n'avez absolument rien vu.
Si vous voulez qu'il repasse des streams, il a besoin de rester en vie. Oui, voilà. Pour que je puisse rester en vie. Si je meurs, il n'y a plus de stream derrière. Ok. Bon, un jour, on est prêt à faire les boulettes. Enfin, les faire griller surtout, elles sont prêtes. Ouais, on va faire griller debout. On va remonter un peu la température. Le moment le plus intéressant du stream, puisqu'on va goûter ces fameuses boulettes de cervelle. À votre avis, est-ce que ça va être bon ou pas? Est-ce que, genre, tu me permettras de goûter en premier? Ah bah non, ça sera Madame Girafe. Ah, c'est Madame Girafe qui goûte en premier? Ah bah oui. Ma chérie, tu goûteras en premier les boulettes de cervelle? Elle aura un avis impartial et... Bon, et ben ça sera la madame... Tu goûtes en premier si tu viens ici, là. Pas te cacher les cheveux. Vous pouvez lancer en strobole pour savoir attends, si ça se remonte pas. On fait cuire, là. On commence à faire cuire, donc tu peux attendre. Les boulettes sont terminées, ma chérie, regarde. Alors, Nosfell, je ne suis pas tout seul à faire. Bon. Les boulettes sont arrivées. Faut se décaler pour qu'ils voient le bouquet. Oh, ils sont magnifiques. Merci, Christina Cordula. C'est magnifique. Trop bien. Donc, tu goûteras la première, mais tu enlèveras ton pot de fleurs quand tu goûteras. Ok, d'accord, je ferme ma gueule, d'accord. Tu peux lui dire ta gueule, hein. Fais le droit. Ok. Ta gueule! Bonsoir à toi, mon cher. Oh, bonsoir à toi, ma chère Fionne. Oh là là, ça fait 10 000 ans que t'es pas venu. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, ma chère Fionne. Oui, ce soir, tu arrives pile le soir où je lance un nouveau concept sur la chaîne. Le concept Cook and Games, où on fait une recette de cuisine en fonction d'un jeu vidéo. Et là, ce que tu vois sous tes yeux ébahis, ce sont des boulettes de cervelle. Puisque la cervelle, comme tu sais, zombie, tout ça, toi-même tu sais. Et je te souhaite une bonne année, ma chère Fionne, puisque j'ai pas eu l'occasion de te la souhaiter auparavant. Notamment, pareil, durant l'heure, je crois que j'ai pas eu l'occasion de te la souhaiter la bonne année. Tous ceux qui sont venus ce soir et qui êtes présents, je vous souhaite une bonne année. Alors, remets un peu d'huile d'olive, s'il te plaît. Allez là. Oui. Au milieu, là. Une revenante, tu me diras. Oui, tu mets dans le feu. Merci. Il n'y a jamais trop de grains. Ah, ça durera. Ça durera. C'est pas forcément du fail, ça. Merci, ma chère Fionne. Coucou. Des cœurs à toi aussi. J'espère que tu vas bien. C'est un plaisir de te voir. Allez, moi, pendant qu'il fait cuire, je fais un peu de vaisselle. Vas-y. La vaisselle, mon meilleur ami. Hop, hop, ça va dorer tranquillement. Ah. Et là, quand ma femme elle goûte, c'est elle dit c'est de la merde. C'est dégueulasse. Je rigolerais bien quand même, tu vois. Un petit peu. Je crois que je rigolerais un petit peu quand même si elle dit que c'est de la merde. Et je vous dis debout, attends, après. Ah, il fait la vaisselle, là, il peut pas tout faire. Attendez, je suis juste un petit peu de vaisselle et je reviens vous lire. Les loulous, deux petites secondes. Je me dépêche. Oui, j'ai pas mis les gants, je suis con, mais qu'est-ce que vous voulez, demain je peux emmerder, mais ça... Taolan, non. J'ai dit Taolan. On nous a demandé si on avait assaisonné la cervelle. Non, peut-être qu'on aurait dû, je pense. Effectivement. Très fade. C'est pour ça qu'on a assaisonné la panure. Non, mais j'ai peur que la cervelle... J'ai mis du poivre noir, du paprika fumé et du sel viking. On a dû assaisonner la cervelle, c'est vrai. Taolan a raison. On a oublié ce petit détail. D'où l'intérêt du ketchup. Évidemment. Pour camoufler. Enfin déjà, la panure pour camoufler la cervelle et le ketchup pour camoufler le goût. Comme ça, on sent pas la cervelle.
Comment fait-on manger de la cervelle aux enfants? Il faut leur mentir, évidemment. Dites-leur que c'est des nuggets de poulet. Et ça va très bien. Il y a Fionn qui veut devenir vegan maintenant. De quoi? Qui ça? Fionn. Ah, Fionn. Je pense qu'elle est pas fan. Ma chère Fionn, si tu veux devenir vegan et que tu es sur ce stream là, tu n'es pas au bon endroit. Mais je pense que c'est le stream qui l'a fait devenir vegan en fait. Ah, monsieur. Par contre, on mettra une petite. Attends, c'est mouillé. Mais pas quelque chose de sec sur du mouillé. C'est quoi cette façon de faire? Ma femme a fait pareil. Pas pareil. Attends. Les patates sont très bonnes en tout cas. Ouais, les patates sont chaudes. La patate est super bonne. Attends, je dois essuyer maintenant et après tu peux mettre. Oh là 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 là. Même pour ça, il va pas vite. Hein. Là, tu peux. Alors poser. Les gens vont devenir vegan et écologistes sur ce stream. Voilà mes petits choux. Je vais vous lire. Ça me dégoûte, what the fuck. Pareil, ma chère Fionn. Mais non, mais attends, c'est des belles boulettes. Pas que ça te dégoûte, des belles boulettes. Alors, Nosfell, c'est une recette qu'on a imaginée avec Titours, mais ensuite on a cherché des recettes sur internet pour savoir comment faire. Voilà. On a cherché. J'ai imaginé, et après on n'a pas vraiment cherché. À part pour le ketchup où j'ai un peu regardé, pour la cervelle, non. Bon, je deviens vegan à partir maintenant. Ah oui, Nosfell, il faudra peut-être être complètement taré à créer comme ça. Quoi, je crie pas? Je sais pas. Ah c'est oui un peu. Ah, j'ai crié. Ouais, mais oui. Toi, d'abord, le main, c'est parce que j'aime bien quand c'est bien. Ça sort une assiette là pour le dressage après. Elles ont l'air super belles, les boulettes. Assiette, dressage, papa, quand on se dépêche. Ça va, papa, c'est bon. Tu fais trois assiettes, n'oublie pas. Non, mais on fait trois pour le dressage ou on en fait qu'une pour le dressage? On en fait qu'une pour le dressage. Voilà, après on dépêche. Ça sera l'assiette de dressage. Tu fais en noir finalement, tu prends une blanche? Bah tu m'as dit que tu préférais noir. Je sais pas, ça en blanche. Non, blanche. Pas. Blanche, ça en va mieux pour le ketchup. Ouais. Merci Nosfell. Peggy 18. Je fais pas trop bien. Ça c'est ta voix ouais. C'est elle descend pas. Attendez, je dois avoir le Peggy 18 sur mon Peggy 18. Bon, bah moi les croque-monsieur sont presque prêts avec la salade. Au moins je suis sûr que ça sera bon. Papy. Écoute mon cher papy, je pense qu'on va se régaler. Je m'inquiète pas trop en vrai. Hein. En vrai je m'inquiète pas trop. Non, je m'inquiète pas. Enfin, je l'ai pas le pédé. Je m'inquiète pas. Hein? Non, rien. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, tu peux déjà mettre les pommes de terre si tu veux. Ah, c'est moi qui fais le dressage maintenant? Bah oui, comme tu veux. D'accord. Alors... On peut affiner avec ton téléphone. Je me permets de regarder... Bah tu fais ça après, là, en cuisine, là, on est sérieux. Ah là, c'est bon. Oh, Jackson, là. Ah bah ça fait un peu l'assiette de mamie, là. Mais arrête, elles sont super belles, ces assiettes, attendez, oh. Non. Si. Non. Oh, tu veux la guerre avec ma femme ou quoi, toi? C'est elle qui les a choisies. Oui, mais c'est pas elle qui l'a faite. Mais c'est elle qui les a choisies. C'est pas une raison. C'est qui a dit que ça fait assiette de grand-mère? Tous. Ils le pensent tous. Vous êtes des méchants. On a vu ton code de déverrouillage. GG Exa. Pas grave, c'est vite, pas grave. C'est pas ça qui frappe. Hein. Okay.
Et sinon, on peut faire. Attends. Bon. Ok, on les mettra après, on va les faire réchauffer à la poêle après. Elles sont encore chaudes, hein? Ouais, mais c'est tiède, on va aller, on les remplacera en coup après les boulettes. Ok. Ça me va. Je pense qu'il faut bien bien faire cuire les boulettes pour que la cervelle dedans soit bien bien. Ça, ça a de la gueule, hein? En vrai, ça a de la gueule, mes loulous. En vrai, ça a de la gueule. Et t'en penses? Oui, bah oui. T'arrives pas à la tourner celle-là. Hein. Allez, Jackson. Allez, Jackie. Je vais le faire. Enfin, non, c'est bon, là, on va les laisser comme ça pour le moment déjà. Tu penses qu'il faut qu'on les laisse combien de temps là? Bah, tant que ça reste pas trop grillé, parce que vu que ça prend quand même pas mal la coloration. Enfin, ça se voit à la couleur, après, c'est pas en termes de temps là, c'est en termes de coloration. Alors, Fionn, ça sert à quoi les bananes? Ça sert à faire des gages ou à faire plein de choses. Voilà, je te laisse. Ah bah, Sylvie a fait le taf. Merci, Sylvie. On a invoqué la girafe. Aussi, mon cher Barbuma, tout à fait. Ta gueule! Ça fait combien de temps que tu es en cuisson, là? Je sais pas. Bon. Mais ça se voit à la tête, là, tu vois bien si ça colore ou pas. Bah oui, là, ça colore, oui. Bah, c'est ce qu'il faut. Il faut pas que ça colore trop non plus. Mais c'est pas possible quoi. En fait, je vous jure, oui, là je sais que c'est de la cervelle, mais ça me donne envie de les manger. Avec du ketchup maison et des pommes de terre, je suis sûr qu'on va, on va se régaler. En vrai, je suis sûr qu'on va se régaler. Je suis persuadé qu'on va se régaler. Franchement. Voilà, voilà, Mission, tout à fait. Tout à fait, ma chère Mission, tu vois. Bien joué. Un peu de beurre. Bravo, Mission. Bravo, ma chère Fionn. Ah oui, d'accord, tu... Non, mais après, on va les passer dans l'essuie. Je veux pour que ça grille bien, ça donne du goût. Ah, un petit peu de beurre dans la recette. Le gras, c'est la vie, n'oubliez pas. Un petit peu de beurre. Alors, ma chère Fionn, gardez pour la prochaine fois, limite, parce que ce soir, nous les entendons pas, parce qu'on n'a pas de casque, je n'entends pas tous les rythmes que vous faites. C'est qui? C'est Michel. Ah, c'est Michel. Comment elle la regarde? Oui, c'est vite, oh, mais je m'en fous. Comment elle la regarde? Hein? Attendez. Comment il faut faire? Ah, tu veux regarder, maman? Bah, regarde. Bah, comment vous regardez? Parce que j'ai envoyé lien. D'accord. Ah, bah, tu me regardes de... Papa, il voulait te mettre des trucs, moi, je sais pas comment faire. Ah, mettre des messages? Ouais. Ah, bah, parce qu'il faut créer un compte. Ok, donc là, attendez, mais Lou, attends, ma chère maman, parce que je suis en live. Donc là, en fait, il y a mes parents qui me regardent depuis. Tes poulettes, elles sont cuites, hein. Donc là, en fait, il y a mes parents qui me regardent depuis tout à l'heure. What the fuck? Tes poulettes, elles sont cuites. Oui, oui. C'est trop marrant. Ah bon, alors, comment t'as trouvé ton fils? Ah, ben, c'est pas mal, mais je te dis, tes boulettes, elles sont cuites. On sait, madame, ne vous inquiétez pas. Les boulettes sont cuites. Titouan, les boulettes, elles sont cuites. Mais je sais. Mais non. Il y a de la cervelle dedans, hein. Donc t'as tout le... Regarde, est-ce que tu vois les gens qui écrivent à côté? Bah bien sûr qu'on... Ah, bah regarde, ils te disent bonjour sur le chat. Ah, ils disent bonjour maman. Regarde, Barbuma61, il écrit bonjour maman et papa XDXA. XDXA, c'est moi, XDXA. Voilà. Ah, bonsoir aux parents de XDXA, Poltage, il écrit. Bonjour maman, Fionn, elle écrit. Julie Mauricie, elle écrit bonsoir à la maman et au papa d'Exa. Exa, c'est moi. XDXA, c'est moi. Voilà, mon pseudo. D'accord. Voilà, bonjour maman et papa. Tout le monde te dit bonjour. Tout le monde vous dit bonjour. Oui, tout le monde a dit. Exa, c'est lui, hein. Alors, voilà. On a bonjour à tout le monde, hein. Voilà. Non, mais c'est pas mal votre truc, hein. Mais là, tes boulettes, elles sont cuites. Ben, on sait, madame. Vous nous direz si c'est bon, hein. Bah, écoute, c'est la première fois que je vais goûter de la cervelle, maman. Donc, on verra bien. Non, t'en as mangé quand t'étais tout petit. Quoi? Oh putain, la révélation en live! Quoi? J'ai mangé une petite cervelle d'agneau toutes les semaines. T'es sérieuse? Bah oui, alors je te racontais n'importe quoi, je te disais que c'était pas de la cervelle. Ce que je disais tout à l'heure, pour faire manger de la cervelle aux enfants, faut leur mentir, j'avais raison! Tout à fait raison, contente. Mais je pensais pas que j'avais aussi raison. Merci madame! C'est le meilleur moment du live, merci maman. Merci madame, merci maman. T'es sérieuse, tu m'as fait bouffer de la cervelle de Dan, de vous? Ah oui. Et tu me disais que c'était quoi? Bah j'ai inventé n'importe quoi, puis ça passait, hein. Putain, j'étais con moi à cette époque-là, c'est pas possible. Tu n'as pas beaucoup changé. Il a raison ton pote, quand les enfants sont tout petits, faut leur mentir.
Oh mon Dieu! On s'était pas mis d'accord avec elle, je tiens à le préciser avant. Non, on s'était pas mis d'accord avant. Choc! Ok, bon bah d'accord. Allez, on voulait se manger. Et on a fait du ketchup maison, il est absolument incroyable. Ah bon, mais c'est bien. Bon bah bisous à vous, prenez soin de vous. Voilà. Bah, d'accord, ok. Je voulais faire chauffer, oui. Bisous! Attendez. Bisous mes parents, bisous, bisous. Ben voilà. Bon, donc, tu as déjà mangé plein de fois de la cervelle. Cowboy, il y avait ma mère qui est au téléphone et qui disait à ma femme qu'elle était en train de regarder le stream et qu'en fait, depuis mon moment, quand j'étais petit, elle me faisait bouffer de la cervelle de veau toutes les semaines. Voilà, on est bien. Il n'y a plus de musique. Attendez, je remets de la musique. Tu avais mangé du steak de cheval. Ah, ça, je sais que j'en ai bouffé. Ah, mais c'est super bon le steak. Le tartare. Pour faire un très bon tartare, il faut du steak de cheval, c'est le meilleur, c'est celui où il y a le plus de fer et tout. Ouais. J'avoue. Les vegans, on pense à vous quand même. Duranra, donne ton lien. Mon cher Duranra, donne ton lien à Poltage ou à Sévi, ils vont le mettre. T'inquiète pas, mon cher Duranra. On vous le tient au courant, est-ce que c'est bon ou pas ? Je suis picard, je suis picard. Oui. Eh, ma chérie, ça fait depuis 2015 que je stream, jamais tes beaux-parents ils ont regardé le stream. Bah, c'est la cuisine donc. Tu leur as mis. Bah, c'est gentil de leur avoir mis le lien. Oh, attendez, non, mais j'explique, mes parents, parce que mes parents sont vieux, ma mère est assez âgée. Non, c'est gentil pour eux. Attends. Ils sont en train de regarder, merci pour eux. Mais ils savent à quel point je les aime, c'est bon. Mais. Oui, bah oui, ça ma se maman voit. A un certain âge, voilà. Excuse-moi, je vais le dire à l'antenne, tu as 60... Approche pas trop, s'il te plaît, il y a des gens qui cuisinent ici, fais attention 900... Oui, en fait, je cuisine plus du tout depuis tout à l'heure, j'en ai rien à branler, terrible. Non, enfin, j'en ai pas rien à branler. Oh, il a commencé son dressage. Ah bah, bien sûr. Bon, bref, oui, je suis très heureux que mes parents regardent ce stream, parce que ça fait des années que je stream, et je leur ai jamais montré vraiment, et c'est un peu obscur pour eux, donc ça me fait très plaisir. Merci papa, merci maman, des bisous. Le prochain stream, on apprendra qu'il a coucou, été adopté. Coucou, cher Tishman, j'espère que tu vas bien, je te fais des bisous. Attention. Ok, donc là c'est le dressage, attention, on est sur la fin du stream, on fait le dressage. 4 boulettes dans l'assiette. Oh putain, elle a mis une patate par terre, enfoiré. Mais non. Ça va, il l'a mis à la poubelle. Maintenant je vais la remettre dedans, voyons. Voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon moment, mais le haut c'est le principal. On passe au dressage, ma chère chérie, tu vas bientôt. Ton père, il a dit ça. Je veux bien faire une séance avec toi. Ah mais carrément. Papa, si tu me regardes encore, avec plaisir, on fait une séance ensemble en live, tous les deux, avec la cuisine. J'en serais extrêmement heureux, mon cher papa. Ce serait génial. Parce que mon papa, faut savoir que c'est un grand cuisinier. Il cuisine très, très bien. Très, 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 très bien. Il fait des trucs de fou. C'est dommage que ça soit pas héréditaire. Mais non, mais pour le coup, j'ai pas la passion comme lui, mais carrément, totalement. Ça donne faim. Mon cher Tishman, ici, tu as des boulettes à la cervelle. Ah ouais. Là, il va dire, la photo, la photo. On fera une photo. Mon cher Titours, on fera une photo quand on aura dressé la table. D'accord. Tu veux qu'on dispose ça. Alors, j'aurais pas disposé. Alors, ouais. Moi, je voulais mettre le ketchup au milieu. Ouais, bon, c'est simple. Enfin, c'est simple. Bah, c'est oui, simple. Enfin, on va pas faire un truc de fou. Hein, c'était juste. Comme tu veux. Bah, vas-y, mets en espace comme tu le sens. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire un smiley avec? Avec les deux yeux, la bouche? Non, c'est juste pour le dressage, hein, les patates, hein, vous inquiétez pas, c'est juste histoire de... Oula. Ah, j'aurais bien voulu les mettre, les... Après, d'accord. C'est pas évident. Le point de ketchup au centre, ah bah là, c'est mal barré. Hein. Mais si. Ah oui, au milieu, comme ça, d'accord, ok. Voilà, bon, le truc, c'est qu'elle devrait être comme ça, tu vois, mais bon... Ouh là là. Enfin, ça va, hein. C'est moi l'artiste. Ah oui, bah oui, je vois ça. Bon, c'est pas génial, mais... Service dans 15 minutes. C'est bon. Vas-y, correct. Bon. On va mettre un peu de ketchup dans un petit pot à côté. Ouais. Histoire d'eau, parce que si on le met au milieu, ça va pas être pratique pour trembler dedans. Ouais. Bon, là, normalement, les boulettes, elles devraient être comme ça, hein, mais bon, voilà. Ok mes loulous. Donc au menu ce soir,
C'est limité les patates. Bah, c'est limité toi-même parce qu'il nous en faut pour tout le monde. On a fait un peu. On a pas fait trop de patates, c'est vrai. Pourquoi je dis avec des casquettes, vous n'avez pas de toc, ça assombrit un peu votre visage. Alors mon cher Vince, on n'avait pas de toc. Pourquoi j'ai cuisiné une casquette? Je vais te dire tout simplement, cher Vince. Je vais te le montrer tout de suite, comme ça tout le monde le reverra et tout le monde pourra rire. J'ai une fucking tonsure, tu vois là. Et ça, je déteste que les gens le voient. J'accepte pas que j'ai pas de cheveux. J'accepte pas que je vais devenir comme Papy Brossard. Oh, le mec de Séville. Donc je mets une casquette. Voilà. Tu as ta réponse, mon cher Vince. Et j'ai pas de toc, non. Si vous avez des tocs à m'envoyer, envoyez-moi des tocs, ça me fera plaisir. Okay. Si vous avez envie, faites-vous voilà. Plaisir. Ouais. Ketchup maison. Je veux voir la girlfriend next. Fionn, tu la verras pas. Ah, ketchup. Ketchup. Ah, classe. Ma chérie, t'as vu, il a ramené un petit pot, il a écrit ketchup maison dessus. Oh, trop mignon. Allez, vas-y, hop, tu mets dedans, tu mets où tu veux, comme tu le sens. Alors, je monte là, je monte dans le fils. Ah, donc là, nous avons. Donc, au menu ce soir, mes loulous. T'as oublié le ketchup, c'est pas fini. Oui. Ketchup. T'es conscient que pour tremper les boulettes, ça va être chiant? Bah, si tu remplis assez, non, mais si tu mets dans l'assiette, après là-bas, c'est un truc en plus. Enfin, comme tu le sens. T'as une petite feuille, t'as pas de main? Moi, je mets pas un petit persil, tu sais, on a une petite feuille de. Je vais mettre un bout de sauge dessus si tu veux. Au menu ce soir, mes loulous, boulettes de cervelle panée avec pommes de terre sautées et ketchup maison. Bon appétit, bien sûr. Et bon appétit, bien sûr. Et je suis assez fier de notre première Madame recette. Gérard. Ma chérie, est-ce que tu aurais l'honneur de venir goûter, s'il te plaît? Elle va nous défoncer. Merde, j'ai cassé l'assiette. The War Dreamy. Alors, attendez. Oh, c'est beau. Eh, hey, c'est beau. Pas mal. Déjà, il trouve ça beau, donc il est déjà content. Alors, il y a des patates en trop, il les mange. Tranquille. C'est mieux que je pensais. Merci. J'arrive, il faut que tu viennes un peu là, s'il te plaît. Ah, bah, bah, ça y est, Fionn, tu la vois. Enfin, tu vois ses vois cheveux. La girafe, voilà. Qui fait bonjour. Qui fait coucou. Alors, je goûte. Alors, fais gaffe, il y a une caméra au-dessus. Tu goûtes. Donc vous voyez sa main, vous voyez tout. C'est chaud. Un petit peu, oui. Je pense. Oui. Le suspense est insoutenable. J'espère que c'est bon. Tu veux avec ou sans ketchup? Avec. Putain, j'ai peur quand même. Oh, le suspense. Suspense quoi? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Ah putain, c'est genre ta gueule, attends. C'est de la merde. C'est bon. C'est bien croustillant. Ouais. Et c'est bon, on dirait pas cervelle. J'ai plus un poil de sec. D'accord. On dirait pas cervelle. Mais c'est bon? Oui, c'est bon. On mange un peu de patate avec, tu me dis. Patate, pas du coup, c'est bon. Bon bah vas-y, hein, Elsa. C'est ultra croustillant. C'est merci. Normal, c'est parce qu'on a fait une double panure, ma chérie. Panure à l'anglaise, merci Sylvie. Bon bah écoutez, mes loulous, voilà. On a réussi notre pari, mon cher Titours. Oui. Merci à toi. On a réussi à réaliser une recette. Qu'est-ce qu'il dit? L'ensemble va être un peu sec, patate plus cervelle, il manque du jus, de la sauce ou quelque chose comme ça. Bah, on a le ketchup, mon cher papa. Dans notre ketchup. Et je te jure, c'est du ketchup maison et je t'assure qu'il est vraiment bon. On s'est fiché à le faire. Il y avait des contraintes d'ingrédients et de couleurs. Il faut savoir aussi qu'en stream, on a des contraintes de temps et de cuisson. C'est-à-dire qu'on ne peut pas partir sur des cuissons longues, on ne peut pas partir sur des Non, c'est surtout qu'il voulait aussi du ketchup pour que ça soit rouge, pour que ça soit raccord aussi. Et je te rappelle aussi, c'est que le concept, c'est une recette en rapport avec un jeu. Là, on est sur un jeu de zombies, donc c'est pour ça qu'on a fait de la cervelle. C'est pour ça qu'on a fait du ketchup. Raccord, quoi. Voilà. Oh, les crevettes, quoi. Vous êtes chiant, en fait, putain. Mais c'est pas cramé. Ouais. C'est pas cramé, hein. Non, je vous jure, c'est bien cuit. Putain, c'est très bien. Voilà, mes loulous. Écoutez, j'espère sincèrement que vous avez passé un bon moment. Vraiment. J'espère que vous avez apprécié cette première
premier épisode, ce premier épisode de Cook and Games. J'espère vraiment, sont pas très raccord. Du en vrai, elles sont pas très raccord, mais elles sont sacrément bonnes. Donc j'en ai rien à faire qu'elles soient pas raccord. Elles sont ouf. Envoyez vos propositions pour la prochaine fois. Hein. Voilà, elles sont ouf absolument. On ne va pas déguster, non mon cher Barbara, puisque si tu veux, on va manger. Là, on va préparer les deux autres assiettes et on va manger avec la girafe. Donc vous ne verrez pas déguster. On a goûté. Ah bah attends, si. On va déguster. Ils veulent voir si tu craches. Ouais, on va déguster. Ah non, excuse-moi. On va déguster. Je vais manger. Pardon aussi, évidemment. Pardon, Barbara, évidemment. Je suis pas chaud. Hein. D'accord. Mais t'en as déjà mangé plein quand t'étais enfant, ta mère nous l'a dit, là, la révélation. Oh, le suspense insoutenable. En vrai, c'est bon. Ah, c'est bon, hein. Ouais. On dirait pas cervelle, hein. C'est super bon. On sent bien le fumé du paprika. Alors oui, c'est bon. Bon, bah, vous savez, si vous voulez faire de la cervelle, faites-le comme ça. Parce que franchement, c'est bon. Je vous jure que c'est bon. En plus, y a un petit goût de fumée avec son paprika fumé qui est délicieux. Petit doigt, bravo. Merci. Mission accomplie. Voilà. Franchement, c'est très bon. Je vous remercie sincèrement, mes loulous, à toutes et à tous d'être venus ce soir, d'être restés, d'avoir participé sur le chat. C'était vraiment, voilà, pour moi c'était quelque chose de nouveau. J'ai lancé, voilà, on a lancé un nouveau concept et ce qui m'importait le plus, c'est que vous passiez un bon moment. J'espère vraiment que ce sera, bah, ça sera le cas. Vous retrouverez cette vidéo, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de la voir, je la mettrai sur YouTube si Twitch me permet. Oh, si Twitch ne foire pas l'enregistrement. Et puis bah, écoutez, nous maintenant on va, on verra demain s'ils sont malades. Non, t'inquiète pas, on sera bien. Merci ma chère Julie. Merci Julie. Nous, quant à nous, on va préparer les assiettes et puis on va les manger. Voilà. Oui. Merci encore de votre présence. Merci encore de votre gentillesse. Merci encore de. Non, je suis pas mort une seule fois, mon cher Durangue. Merci encore de. Et c'est pas coupé non plus. De votre participation dans le chat. Mille merci. Vraiment. Je vous embrasse bien fort. Et tout pareil. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Soit dimanche soir, soit la semaine prochaine. La semaine prochaine va être une journée chargé pour moi, donc il n'y aura pas trop de stream, mais on va essayer quand même. Je vous embrasse bien fort, on fait des gros bisous. Bisous à vous mes loulous. Bisous. Merci encore d'avoir été là. Et puis n'hésitez pas, vraiment je vous invite à aller faire vos retours dans le salon cuisine, dans le salon taverne, sur le Discord de la chaîne. Faites vos retours pour nous dire comment vous avez trouvé, si vous avez bien aimé, si vous n'avez pas aimé. Voilà, ça va dépendre, c'est vos avis, vos avis, vos conseils qui vont dépendre du futur de ce concept ou pas. Voilà. Allez, je vous embrasse. Ciao, ciao, mes loulous, bye bye. Ciao. Tchuss. I hate the sunlight. Got my blinds down every day. I stay up all night. 'Cause to me.